Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Bienvenue au Centre Pompidou. Alors, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour cette première table ronde du cycle Le Monde sur un fil, organisée avec la revue Esprit. Et c'est Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction, qui nous fait l'amitié d'animer cette rencontre sur le thème du processus de paix au Proche-Orient. Alors, avant de lui laisser la parole ainsi qu'à nos trois intervenants, que je remercie chaleureusement de leur présence parmi nous ce soir, je vous annonce d'ores et déjà la prochaine date de ce cycle. Ce sera le 19 février et on soulèvera la question de l'information est-elle une arme. Alors, notez-le d'ores et déjà dans vos agendas. On espère vous revoir à cette occasion et puis je vous souhaite surtout une très bonne soirée en notre compagnie. Anne-Lorraine c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Merci à la Bibliothèque publique d'information. Donc, à mon tour, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux pour cette première rencontre dans ce qui s'annonce comme un cycle de rencontres co-organisé par la revue Esprit et la Bibliothèque publique d'information. Et je suis particulièrement heureuse de pouvoir ouvrir ce cycle en commençant. En fait d'emblée euh, par un sujet euh, si actuel, si brûlant euh, et à mains égards euh, si difficile, euh, mais un sujet qui euh, peut-être justement euh, en raison de la, de la gravité euh, des enjeux est bien un de ces sujets sur lesquels il est crucial euh, de pouvoir maintenir euh, ouverte euh, la possibilité euh, de l'échange euh, et du débat. Je suis heureuse de retrouver ici des auteurs, des lecteurs de la revue Esprit et puis peut-être des habitués du Centre Pompidou. Donc l'une des, des idées que nous avions dans ce numéro, Le Proche-Orient déchiré, qui est paru en décembre dernier, était bien l'idée que sur ce sujet qui, qui attise tant les passions, euh, il était crucial de pouvoir maintenir euh, ouverte cette possibilité d'échange et de débat, de pouvoir continuer de reconnaître des interlocuteurs légitimes dans la discussion, euh, malgré ou avec l'émotion que la dureté de ce conflit euh, nous inspire. Alors, c'était notre idée quand nous avons fait ce numéro immédiatement après les attentats du 7 octobre. Et en quelque sorte, c'est toujours notre idée aujourd'hui. On s'obstine, euh, en fait, euh, on s'obstine à vouloir poser euh, la question d'une paix possible, la question du retour vers la recherche de solutions euh, politiques euh, à ce conflit, avec la conviction qu'il ne peut y avoir d'issue à ce conflit que dans la recherche de ce dialogue, des négociations et de solutions réellement euh, politiques. Alors, il y a quelques années, à la revue Esprit, nous avions publié un autre numéro intitulé Moyen-Orient, Europe, nos destins liés. Et je crois que c'est là une deuxième idée à laquelle on tient beaucoup, à la revue, à laquelle on continue de tenir et qui nous guidera aussi dans nos discussions ce soir. Euh, L'histoire, l'idée que nous sommes liés ici à Paris et ailleurs dans le monde de, de mille et une manières au conflit qui déchire aujourd'hui le Proche-Orient et que ce qui se joue aujourd'hui en Israël et à Gaza, entre autres... C'est une certaine idée de l'ordre international, euh, une certaine idée, un idéal peut-être euh, de la possibilité de pacifier les conflits euh, en ayant recours au droit international et à un idéal de justice et de sécurité collective. Alors pour aborder l'ensemble de ces questions évidemment euh, complexes, évidemment difficiles, heureusement nous sommes très bien, en, très bien entourés ce soir euh, et j'en profite pour remercier euh, à nouveau euh, nos trois intervenants. Donc, Denis Charbi, Joseph Bahout et Arié Alimi, avec lesquels je vais ouvrir ce débat pendant trois gros quarts d'heure, je dirais, avant de me tourner vers vous pour un temps de questions-réponses, que vous puissiez aussi adresser vos, vos questions à nos intervenants. Alors, pour les présenter un peu mieux, Arié Alimi, ici à ma gauche, est avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et auteur. Euh, il a publié notamment euh, au seuil Le coup d'état d'urgence en 2021, puis euh, à la découverte L'état hors la loi en 2023. Et il prépare aujourd'hui un nouveau livre, j'ai le droit de vous le dire en avant-première, euh, qui s'intitulera Juifs français de gauche dans le désordre et qui paraîtra aussi à la découverte très bientôt, en mars. Très bientôt. <laughs> Joseph Bahout euh, est chercheur et enseignant, spécialiste de sciences politiques, de relations internationales. Euh, il vit à Beyrouth et dirige aujourd'hui l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Euh, et il a notamment publié Les entrepreneurs syriens aux presses de l'Institut français du Proche-Orient en 2014. Et puis Denis Charbi vit habituellement. <laughs> en Israël, mais cette année il est en congé politique, en congé politique, en congé sabbatique. Il est en congé sabbatique, mais il est professeur de sciences politiques néanmoins à l'Open University d'Israël. Il a notamment publié Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, euh, qui a été réédité au Cavalier Bleu en 2023. Et puis, qu'est-ce que le sionisme chez Albin Michel en 2007. Alors, euh, merci encore à tous les trois d'être avec nous. Je voudrais commencer par vous interroger vraiment sur le moment, euh, comment vous interprétez le moment dans lequel nous, nous sommes euh, dans euh, ce conflit. Donc, on est plus de trois mois après les attentats du 7 octobre. Euh, la guerre fait rage à Gaza depuis plus de 100 jours. Et on a le sentiment peut-être qu'un qu point de bascule s'approche, mais de bascule vers quoi euh, Je crois que la situation est encore très difficile à lire aujourd'hui avec le sentiment peut-être qu'il pourrait y avoir une nouvelle trêve, un nouveau cessez-le-feu. Il y avait des hauts responsables du renseignement israélien, égyptien, qataris, américains, à Paris hier, pour tenter de négocier une trêve et la libération des, des otages, de, 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 de plus d'otages. Donc peut-être une trêve, un cessez-le-feu. Peut-être aussi euh, un embrasement, euh, une extension du conflit. Euh, on a eu différents incidents, euh, des soldats américains tués en Jordanie euh, il, y a, il y a quelques jours à peine. Donc la situation est difficile à lire. Alors peut-être, je, je commence par me tourner vers vous, Denis Charbi. Euh, pour vous demander quel est le climat justement euh, à la fois euh, politique euh, en israël avec le sentiment qu'au sein de la direction politique et même du cabinet de guerre euh, des, des dissensions euh, commencent à se faire entendre. donc euh, on a eu des prises de parole de, de gadi eisenkot on a eu des prises de parole aussi de, de hauts responsables de l'appareil de défense et de sécurité comme yair golan euh, ou comme l'ancien chef du shin bet pour dénoncer l'impasse en fait de la riposte exclusivement militaire et sécuritaire et demander qu'on commence à réfléchir au jour d'après. en même temps on a une société israélienne encore très traumatisée la pression pour demander la libération des otages en priorité qui monte. donc qu'est ce que vous pouvez nous dire là du climat vraiment ces jours ci? Merci, merci beaucoup. J'étais très heureux d'être associé à l'apparition de ce numéro, et, et je suis également très très heureux de pouvoir à l'occasion de ce séjour en France pour quelques mois, euh, voilà, d'essayer de, bah, de peut-être moins, je le ferai sans doute, mais moins d'apporter mes propres convictions, même si je serais amené peut-être à, à, à l'exprimer mais plus de me faire le porte-parole, mais quand je dis porte-parole, ça peut être critique, hein, mais de ce que j'ai pu percevoir de la société israélienne. Alors je voudrais faire une petite précision par honnêteté. Euh, euh Intellectuel, je n'étais pas en Israël le 7 octobre puisque même si je vis en Israël depuis 1974, depuis le mois d'août, je suis en année sabbatique. La première partie était aux États-Unis, à l'université Vermont, l'état de, de, du sénateur démocrate Bernie Sanders. Et d'ailleurs, dont, dont, dont j'ai dit à mes, à mes étudiants qu'ils n'oublieraient plus jamais la superficie de Israël-Palestine puisqu'elle était identique à celle du Vermont. Euh, et euh, donc je, je n'étais pas. En revanche, euh, à l'issue de, ce, de cette première partie de l'année sabbatique, je suis euh, allé en Israël. D'abord parce que j'y ai mes enfants. Euh, mon épouse était avec moi, mais donc elle m'a accompagné. Euh, et euh, voilà. Et pendant un peu plus d'un mois, j'ai pu euh, voilà aller euh, vraiment me mettre à l'écoute de voilà, essayer de prendre le pouls, je l'avais fait bien sûr de, depuis le 7 octobre, hein, mais, mais là, euh, en allant rendre visite à mes amis, mes collègues, ma famille, et, et essayer donc, euh, voilà, de, de vous rapporter euh, quelque chose, euh, voilà, qui me paraît être effectivement en rupture, ou en tout cas tout à fait singulier euh, par rapport à ce que je connais de la société israélienne. Tout le monde, d'ailleurs, m'a dit, en gros, euh, tu as laissé le pays euh, au mois d'août euh, dans un certain état et tu le retrouves dans un état... Totalement différent. Alors, bien sûr, on pourra se poser la question qu'est-ce qu'il en restera Est-ce que c'est -ce est une phase transitoire où il y aura quelque chose qui va perdurer euh, Je dirais que euh, la première chose qui me paraît la plus significative, c'est la perception euh, du conflit, qui a souvent été, euh, on va dire, longtemps perçue par les Israéliens globalement. Comme un conflit politique, comme un conflit national, avec une dimension religieuse qui a sans doute pris beaucoup plus d'importance. Euh, et là, qui a été euh, vécu. Euh, et encore une fois, je parle surtout des, des journées, du, la journée du 7 octobre et, 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 et des journées qui ont suivi. Donc, je parle bien sûr de ce massacre de masse euh, perpétré euh, à ce moment-là. Euh, un petit peu comme en 1948, un petit peu comme en 1967, à la veille de la guerre des Six Jours. C'est-à-dire comme un conflit existentiel. C'est-à-dire on n'est pas là devant, désolé de vous corriger, devant un attentat. Ce n'est pas un attentat ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un massacre de masse. Euh, C'est pas simplement un, un, un bon qualitatif dans cette dernière édition d'Israël et ses paradoxes que vous avez eu la, la gentillesse de mentionner. Je disais à propos de, de, de je parlais du phénomène du terrorisme tel qu'il est perçu par la société israélienne et je le caractérisais, je le distinguais de ce que vous avez pu connaître en France, en disant que là il s'agit d'un terrorisme chronique, c'est-à-dire c'est pas euh, deux trois attentats une année puis après voilà on est déjà dans une phase euh, descendante. Euh, et, et je disais surtout euh, voilà j'essayais de le dire de manière neutre mais je disais pour le lecteur français euh, euh, le, le, le Bataclan. Le, le nombre de victimes de Bataclan, c'est une chose que nous n'avons jamais connue en Israël. Le plus gros attentat, pour vous donner une image, euh, celui de, du parc hôtel à Natania qui a été à, à l'origine de... De, 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 du déclenchement de l'opération militaire menée par Ariel Sharon en, en 2002, le fameux parc hôtel, un soir du, du, du CEDER, de la PAC juive, a fait 35 morts. Voilà. C'était le plus gros. Il y en a eu d'autres. Alors, bien sûr, attention, il y a eu tellement d'attentats qu'à la fin, ça fait beaucoup plus que tous les attentats qui ont eu en France. Mais euh, là, euh, près de 1140 morts, aujourd'hui c'est le chiffre exact, 1140 morts en une journée. Une journée et demie. Euh, ça, ça n'était jamais arrivé. Mais ce que je voulais dire, c'est que pas simplement, pourquoi c'est un conflit existentiel Pas simplement à cause du saut quantitatif indéniable. Euh, on l'a dit souvent, le plus gros massacre de juifs depuis euh, la Shoah. Euh, mais précisément à cause de, de comment dirais-je, de ce, n'en déplaise à Antonin Artaud, ce théâtre de cruauté euh, sans précédent. Euh, jamais vu, où on ne s'est pas contenté d'assassiner de, des civils et, 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 dans, et, de, et, des, et des soldats et de prendre en otage également des civils et des soldats, euh, mais on a euh, violé, on a brûlé vif, euh, on a euh, exécuté des parents devant leurs enfants, on a exécuté des enfants devant leurs parents. On a atteint quelque chose qui est très rare dans, dans, dans l'histoire de la cruauté. En tout cas, on est dans un... C'est peut-être pas le sommet, n'exagérons rien. Je ne suis pas même spécialiste de la violence pour pouvoir le dire ainsi, mais très clairement quelque chose qui fait d'ailleurs que quand j'ai été interrogé là-dessus, j'ai dit, euh, euh, on me disait, est-ce qu'il faut le comparer à la Shoah, un pogrom, etc. Alors d'abord, les pogroms, ça n'a jamais fait plus de 80 morts par pogrom, euh, d'une part, c'était le maximum. Euh, et euh, la Shoah, je disais, mais plutôt que de le comparer à la Shoah, euh, euh, considérons que le 7 octobre est quelque chose qui pourrait devenir... Et qui fait que peut-être plus tard, des massacres analogues seront comparés à ce 7 octobre 2023. Alors, donc, c'est euh, un, un conflit donc perçu comme existentiel, c'est-à-dire, c'est pas simplement. Et, et voilà, pour prendre le fameux propos qui a tout de suite fait scandale en Israël du, du secrétaire général de, des Nations Unies, quand il a dit euh, c'est inexcusable, mais ça a un contexte. Euh, ce n'est pas hors contexte. Et, et bien entendu, que tout le monde pensait. Que ce contexte-là, c'est l'addition de l'anakba, euh, l'occupation depuis 1967 et le blocus imposé sur Gaza depuis euh, 2007, et euh, ce qui n'est pas, je veux dire, pour ma part en tout cas, complètement, euh, je veux dire, on, on, bien sûr que euh, ce, ce, cette réflexion-là euh, est, est légitime. À ceci près qu'il aurait pu être, enfin, je veux dire, quand on commence à se livrer à des explications. Il y a une certaine décence à attendre un certain moment avant de le dire. Euh, je ne connais personne qui, euh, le, euh, en septembre 39, au moment de la déclaration de euh, guerre, a dit euh, ⁇ Ah, mais l'Allemagne euh, envahit la Pologne parce qu'il y a le traité de Versailles ⁇ ou alors c'était des pro-hitlériens. Euh, donc voilà, il y avait, me semble-t-il, une certaine pudeur à attendre avant de, de dire ⁇ En fait, c'est à cause des Israéliens ⁇ Mais ce que j'ai surtout euh, regretté, et ça c'est important de le, de le dire, euh, c'est qu'à euh, ce contexte-là, il faut ajouter le, euh, comme plus, euh, le, euh, comment dirais-je l'islamisme le, 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 radical je, et, et, et je pense que s'il l'avait dit une partie de l'émotion israélienne aurait été sans, sans doute apaisée euh, et, et ne serait-ce que parce qu'en en disant il faut additionner euh, l'islamisme islamique pour comprendre le massacre euh, de masse du 7 octobre euh, j'entends je, dire par là que je ne peux pas concevoir que les militants du fatah con, de, devant une, euh, ayant commis une telle opération ayant euh, faisant la même chose on serait arrivé là. Ils auraient tué, peut-être en grand nombre. Ils auraient sans doute pris en otage des soldats et des civils, mais il n'y aurait pas eu cela. Et, et ça, on ne peut pas le comprendre uniquement parce que la Nakba, l'occupation, et, et, et ça aussi le Fatah en a souffert de la même manière. Et pourtant, il n'en serait jamais arrivé là. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que si c'est perçu comme un conflit existentiel, et à ce conflit existentiel, il faut bien sûr ajouter notamment euh, la réaction des universités américaines qui a été une, une onde de choc hein, pour les, pour, euh, qui, a, qui a plongé Israël dans le sentiment de sa solitude hein. je crois que le vrai choc c'est de se rendre compte que quelques jours après la tension était euh, passée de, 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 de l'autre côté euh, ce que je veux dire donc, quand je parle de conflit existentiel par rapport à la question dont j'apprécie beaucoup, le, le, qu'elle est formulée avec beaucoup de prudence et beaucoup de pudeur, avec un point d'interrogation, peut-on relancer un processus de paix Alors, sur le plan de mes convictions personnelles, la réponse est bien sûr oui, et je pense que je réponds euh, ici, et même peut-être sans doute au vœu de la salle, mais euh, si on a affaire à un conflit existentiel, euh, ça veut dire que la politisation, le retour à la négociation euh, doit passer par un sas de décompression. On, alors, j'ajouterais également, peut-être pour terminer... c'est la question du, du temps, en fait. Oui, voilà. Les trois mois écoulés... Euh, Exactement. Alors, effectivement, euh, euh, et, et là, je, je, puisque le, le titre, c'est Israël et ses paradoxes, je, je vais compléter, même si ça n'apparaît pas, parce que l'édition est antérieure au, au 7 octobre, bien évidemment. Je dirais que le, le, le paradoxe, hein, par rapport à la question même du processus de paix, c'est que... Euh, euh, voilà. Paradoxalement, tous ceux qui veulent un processus de paix euh, euh, devraient soutenir l'éradication du Hamas. Le problème, c'est qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les autorités israéliennes, notamment Gadi Aizenkot, qui fait partie du comité de guerre, se rendent bien compte, et, et les Israéliens commencent au bout de quelques mois, à se rendre compte que euh, bah, cet objectif... Euh, euh, n'est pas réaliste. Voilà, euh, bon, voilà c'est un fait, en tout cas, même si... On, on n'est pas complètement d'accord au sein du cabinet de guerre, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que l'échec d'Israël à éradiquer le Hamas, éradiquer le Hamas, c'est-à-dire à faire que politiquement et euh, militairement, le Hamas soit euh, décimé, euh, va fortement compliquer l'opportunité la, 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 même de retourner à un processus de paix parce que. Pour de la communauté internationale, dont on dira un mot tout à l'heure. Euh, si, euh, ce qu'il a caractérisé, et ce sera ma dernière phrase, c'est si ce qu'il a caractérisé, et ça, je, je, je le dis également dans le livre, euh, le Moyen-Orient a une chance par rapport à tous les théâtres de, 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 de conflits dans le monde. C'est que jamais la guerre ne devait dépasser un certain seuil en termes de temps. C'est-à-dire, regardez toutes les opérations militaires, y compris d'ailleurs la Seconde Guerre du Liban. Euh, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, euh, la communauté internationale était parfaitement compétente et elle l'a fait pour euh, euh, convaincre les partis et notamment Israël euh, d'arrêter les combats et d'établir euh, un, un cessez-le-feu, une résolution de l'ONU pour ce qui est de la seconde guerre du Liban et des cessez-le-feu qui ont été établis juste après. Là, à cause du fait que nous sommes devant une guerre sans précédent, sans précédent les massacres de masse du 7 octobre, sans précédent parce que là aussi, le nombre des victimes palestiniennes, euh, civiles, même si on n'en a pas euh, le chiffre exact, dépasse. Sans, et sans commune mesure avec euh, les, les, les victimes, que ce soit de la seconde intifada, je vous le rappelle si vous l'aviez oublié, 5000 victimes du côté palestinien. Et regardez l'impact qu'a eu la, la seconde intifada. Là, on est dans des chiffres 10 000, 20 000, c'est peut-être 30 000 d'ailleurs, personne n'en sait rien, et certainement pas le ministre de la Santé euh, euh, du Hamas. Mais le fait est que, précisément parce que le conflit n'est pas. Un acte de plus, une série dans la série euh, euh, conflit, comme on disait, de faible, euh, asymétrique de faible intensité, il y a là, pour la communauté internationale, une occasion, peut-être, non seulement d'amener les partis à cesser cessez-le-feu, euh, mais peut-être également de, euh, de remettre dans la sellette un, un, un processus de paix dont je rappelle que depuis 2014, il a été interrompu. Euh, voilà ce que je voudrais dire dans oui. un premier... Merci beaucoup. On entend euh, dans ce que vous dites Voilà bien garder à l'esprit qu'on n'est pas dans un énième épisode mais bien dans un, du jamais vu en fait. Et c'est ce traumatisme réciproque qui peut peut-être pas dans un premier temps, parce que dans un premier temps, chacun s'enferme dans son traumatisme euh, oui. spécifique euh, pour exclure, d'où le soutien au Hamas, dont on crédite la population palestinienne dans son ensemble, euh, et soutien à l'attaque et au massacre du 7 octobre, et euh, la population israélienne, même si... Euh, on voit bien que le consensus s'effrite, mais il s'effrite parce qu'on voit bien qu'on n'y arrive pas et, 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 et c'est sans doute là aussi peut-être une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que cette supériorité évidente d'Israël sur son voisin palestinien euh, bah elle est modifiée. Ouais. Quelle que ouais. soit l'issue du conflit, et c'est vrai qu'on est dans l'incertitude oui. parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont se terminer, le fait est que le, 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 le Hamas a gagné. Il a gagné parce qu'il a replacé Israël dans une situation de fragilité qu'elle n'avait pas connu depuis des lustres. Alors, on, on reviendra euh, sur certains de, de ces points euh, très certainement. Euh, je, je voudrais euh, me tourner euh, maintenant vers vous, euh, Joseph Bahout, euh, pour demander justement euh, au-delà au euh, de, du, du, du théâtre de, de guerre immédiat, euh, comment tout cela est perçu enfin, depuis, le de, depuis le déclenchement de, de la riposte israélienne, tout le monde observe avec la plus grande inquiétude ce qui se passe au Liban, où vous vivez, je l'ai dit. Tout à l'heure, mais aussi dans toute la région. Et de fait, on a eu plusieurs incidents en Iran, en Irak, en Jordanie. Mais comment est-ce que vous voyez à ce stade le risque d'un embrasement régional par rapport à, à une envie des différents acteurs de, de, de au contraire, de, de maintenir le conflit à un niveau acceptable tout d'abord, bonsoir et merci beaucoup Anne Lorraine pour, pour cette opportunité. Moi, j'étais de passage à Paris, mais j'ai bien entendu euh, saisi l'occasion de vous rejoindre. J'ai participé à ce numéro. Je aussi, je suis membre du comité de rédaction de la revue, donc je suis très très content de ce qu'on a fait là, euh, à plusieurs titres. D'abord, je vais, je vais arriver à, ta, à la question, mais d'abord parce que c'est très très difficile de, de penser à chaud euh, l'événement, et là, on est, on est pas seulement à chaud, on est en plein dans le chaudron, on est encore dans le chaudron. Je me souviens que l'un des numéros passés d'esprit, c'était après la guerre d'Irak, c'était paysage après la bataille. Donc, il y avait vraiment un temps de réflexion après la bataille. Ici, on est en plein dedans et c'est déjà pour ça que je suis assez fier d'avoir contribué à ce numéro. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que. Peut-être et je vais être un tout petit peu plus, plus pessimiste ou noir, mais parler de processus de paix aujourd'hui, c'est-à-dire là on est un tout petit peu réunis autour d'un cadavre, mais pas seulement du fait du 7 octobre et pas seulement du fait de Gaza, mais bien avant. C'est-à-dire en fait le processus de paix, vous l'avez dit, vous l'avez dit gentiment, était interrompu depuis 2014, mais en fait il était mort depuis très longtemps. Et en fait, je pense, sans être cynique, mais que l'action du 7 octobre a un tout petit peu contribué, euh, sinon à réanimer le cadavre, ce qui est impossible, mais peut-être à empêcher son enterrement. Parce qu'en fait, le, le 7 octobre, si, si l'on veut le replacer dans le contexte régional, et je reviens à, à la question... Euh, à la veille du 7 octobre, et c'est à mon avis euh, la rationalité du 7 octobre s'il y en a une. Effectivement, il y a un acte de barbarie, il y a un acte de... etc., mais il y a quand même quelque chose de rationnel chez un acteur qui est rationnel, le Hamas et son parrain iranien, euh, qui avait deux, euh, deux buts au moins dans l'immédiat. Le premier, c'était d'arrêter un cycle long et qui était en train d'aboutir de normalisation entre les États du Golfe, une grande partie des États arabes et Israël, non pas l'ensemble du monde arabe, qui se faisait aux dépens de la question palestinienne, euh, qui était devenue depuis un moment, et ça nous on le sait, qui vivons dans la région, qui était devenue chez tout le monde, même chez les intellectuels euh, euh, proches de la question palestinienne, qui était devenue une question résiduelle, qui était devenue une sorte de question, à, finalement, somme toute, avec laquelle on va devoir vivre, mais qui ne sera jamais résolue. Et là, il y a eu un coup d'arrêt. Aujourd'hui, je crois que tout processus potentiel de normalisation, que ce soit saoudien ou pas avec Israël, va devoir inclure un paragraphe israélien, ne serait-ce que par décence, ne serait-ce que palestinien. par euh, palestinienne euh, dans, 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 son, dans, dans son logiciel, ne serait-ce que par décence et ne serait-ce que par opportunité politique. Donc, ça, déjà, c'est le premier élément de contexte, mais qui aussi montre qu'on était face à un cadavre dont finalement tout le monde s'accommodait et qui était devenu un peu gênant. C'est-à-dire que tout le monde avait envie d'oublier la question palestinienne qui était devenue un tout petit peu oubliée. La deuxième chose, c'était justement l'acte du 7 octobre vis-à-vis -vis du Hamas lui-même aussi. Je vais expliquer un tout petit peu sa rationalité dans le, au sein de, du paysage palestinien. C'était de remettre la question palestinienne au premier plan. Euh, dans l'agenda régional, mais en substituant un acteur, après 40, 50, 60 ans, qui est l'autorité palestinienne, l'OLP et ses avatars, par un autre qui est le Hamas. Alors, on n'est pas là, moi je, en tout cas, je, je ne suis pas là pour ça et je, je ne sais pas le faire. Est-ce qu'il faut considérer le Hamas comme X, Y, Z légitime, pas légitime Le Hamas est l'acteur qui, euh, qui gère Gaza depuis un moment. Et qui donc a pris la décision, d'ailleurs pas seule, avec d'autres factions, avec le jihad islamique, avec le FPLP, avec parfois même des, 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 des relégats de ce qu'a été l'OLP et le Fatah, etc. A pris la décision de prendre d'assaut, non pas seulement Israël et la, et la barrière et, et, les, et, les, et les villages aux alentours de, de, de l'enveloppe de Gaza, mais de prendre d'assaut le leadership palestinien. Donc ça, c'est l'élément de contexte en, en général. Il y a une rationalité derrière. Alors ça, c'est accompagné de tout ce que vous avez décrit. On est, on est tous encore horrifiés par ça. Et ça explique ce qui se passe depuis. Je parlerai plus tard de si je sais en parler de ce qui se passe au sein d'Israël aussi, parce que ce qu'on ne dit pas, et ce que vous n'avez pas dit, Denis, c'est que aussi la perpétuation de la guerre n'est pas seulement due au choc traumatique du 7 octobre, mais aussi à la volonté très politicienne d'un homme politique qui s'appelle Benjamin Netanyahu, de vouloir garder le pouvoir, etc. etc. Il y a des voies de sortie aujourd'hui, même techniques, de la guerre qu'il ne veut pas prendre ou entendre. Alors pour revenir à la question maintenant, ce qui se passe aujourd'hui. Le risque d'embrasement du conflit est là. Il est là à chaque seconde. Il est là à la frontière libanaise. Il est là avec l'Irak et la Syrie, qui sont des, des extensions un peu plus lointaines. Il est là dans les fêtes avec la, ce qui se passe en mer Rouge. Et ça, c'est un élément nouveau dans la géopolitique de la région. Euh, on avait tendance, nous, les, 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 les géopolitologues ou les politologues de la région, à, à comprendre un peu cette zone comme une zone cloisonnée entre le, le, ce qui se passe au Levant et ce qui se passe dans le Golfe. Aujourd'hui, euh, l'irruption des Houssis dans, 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 dans la guerre à Partir de la mer rouge, fait le lien entre les deux, les deux dossiers, le levant et le golfe. Et il y a aussi ce dont on ne parle pas assez, l'autre front qui, à mon avis, va être celui qui va s'embraser assez vite avant les autres, c'est celui de la Cisjordanie. C'est aussi un chaudron euh, dans lequel il se passe la même chose, mais peut-être de façon un tout petit peu différente que ce qu'il se passait à, à Gaza et qui peut aussi rentrer en éruption. Alors, qu'est-ce qui peut pousser vers ça et qu'est-ce qui peut l'empêcher Ce qui peut pousser vers ça, c'est d'abord la prolongation de la guerre. C'est mécanique. C'est presque, c'est-à-dire plus la guerre dure, plus les risques de dérapage sont grands. Ça l'est dit par les acteurs, que ce soit le Hezbollah au Liban, l'Iran euh, ou autre. C'est la crainte américaine. C'est peut-être le désir quelque part, est, est, est complètement pervers de Netanyahou lui-même. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe à la frontière avec le Liban, Netanyahou essaye quand même de pousser le Hezbollah à la faute en prenant euh, appui sur l'extraordinaire armada américaine aujourd'hui déployée dans la Méditerranée, en se disant, j'ai peut-être la chance historique de régler son compte non seulement au Hamas, mais au Hezbollah, en jouant... Sur l'engouffrement par la force des Américains dans le conflit et les mettre en confrontation non pas avec la population palestinienne comme moi, mais avec l'Iran. Et à ce moment-là, je change complètement le narratif de tout le conflit dans la région. Ce n'est plus un conflit israélo-palestinien, ça devient le grand conflit que tout le monde redoute depuis des décennies entre l'Iran, le monde occidental, etc., etc. Donc il y a ça. Donc, il y a cette, cette crainte. C'est pour ça qu'à mon avis, pour éviter aujourd'hui l'embrasement régional, je parle très réel politique ici, il est nécessaire et, et impératif d'arrêter la guerre, pas seulement pour arrêter la souffrance des Palestiniens, mais pour éviter l'embrasement régional. Ce qui peut, euh, par contre, empêcher cet embrasement, c'est, euh, jusqu'à ce soir en tout cas, la non-volonté très ferme et très forte. Euh, de l'Iran de ne pas élargir le conflit pour des raisons cyniques aussi euh, parfois qui sont qu'il faut que les regards restent braqués sur le, le théâtre israélo-palestinien sur la Palestine parce que ça rejoint le premier but du Hamas qui était de ramener la question palestinienne au premier plan donc si on pollue entre guillemets ce conflit avec autre chose on a, on a perdu la partie du narratif et les américains il ne faut pas l'oublier c'était aussi avant le 7 octobre depuis presque 10 ans sont en train, à petits pas, de se retirer de la région et n'ont pas envie de se retrouver engouffrés dans cette région, d'autant plus dans une année électorale qui, pour Biden, va être extrêmement compliquée, sinon perdue d'avance. Et donc, il y a cette volonté de ne pas laisser les acteurs locaux... Euh, entraîner les grands acteurs, et je mets l'Iran dans le rang des, des grands acteurs, dans la spirale. Alors ce qui s'est passé hier soir, mais très vite pour en parler, c'est peut-être l'erreur de calcul de trop ou la bévue de trop. Je pense franchement que les Iraniens ne pensaient pas tuer trois euh, marines américains. Jusque-là, toutes les actions de ce qu'on appelle les proxys de l'Iran dans la région ont été assez calibrées pour faire mal matériellement, mais ne pas tuer de militaires américains probablement que les Américains vont riposter très violemment après ce soir parce que Biden est en année électorale et parce qu'il y a trois soldats américains, mais tout en envoyant des messages en, en dessous du radar les uns aux autres pour dire, bon, on s'arrête là et puis, euh, et puis ensuite on reprend la politique. Alors la politique, ce serait quoi à ce moment-là Ce serait... Je parlerai de, 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 Hamas, de Gaza ensuite et du processus de paix ensuite. Mais là, à ce point-là, c'est reprendre la politique au sens où les États-Unis veulent encore se retirer de la région. C'est-à-dire, ce soir, il y a des négociations, il y a des pourparlers entre le gouvernement irakien et l'administration Biden pour mettre fin à l'accord de présence américaine en Syrie, en Irak. Euh, en Syrie, ce soir, d'ailleurs, avant de venir ici, j'étais avec des, des diplomates français qui gèrent la, un peu le dossier syrien. Très, très probablement la présence américaine à Tanaf, là où cet attentat a eu lieu hier soir, cette, ce bombardement a eu lieu hier soir. Le camp va probablement être démantelé avec un retrait. Évidemment, avec une administration Biden qui veut à la fois solder ce dossier moyen-oriental depuis la guerre d'Irak, hein, depuis l'élection d'Obama, mais sans donner à, à, à l'opinion américaine le sentiment qu'elle est en train de partir la queue entre les jambes dans une année électorale où Trump va faire des bravades en disant si j'étais là, ça ne se serait pas passé alors qu'on oublie que c'est lui qui avait entamé le retrait de Syrie. Donc il y aura probablement la poursuite de ce retrait. La grande question ensuite sera de savoir, et c'est je crois ce qui devrait nous intéresser à nous ce soir euh, par rapport à cette question, c'est est-ce qu'il y aura encore un acteur suffisamment fort diplomatiquement au niveau international comme les États-Unis, et je n'en vois pas beaucoup d'autres pour relancer non pas peut-être un processus de paix, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est très illusoire, mais au moins une sérieuse déconflictualisation à partir de Gaza, et peut-être la reprise de l'interrogation, de la réflexion sur ce que peut être... Une entité politique palestinienne. Je vais finir sur ça en, en reprenant quelque chose que j'ai écrit dans, dans mon papier, dans l'esprit. Tu en parlais en introduction, Anne Lorraine, et c'est pour ça que la métaphore 67 est cruciale à mon avis, et je l'utilise. Je pense qu'on est dans un moment 67. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier. Et les échos du conflit de Gaza ici, en France, en Europe, dans les campus américains, partout dans le monde, le prouvent. Aujourd'hui, il y a, la, la, je crois, l'aveuglement, la, la, ou du moins la, la, la conscience aveugle, la conscience aveuglée par la lumière de, de Gaza, que ce conflit ne finira pas sans une forme de gouvernance palestinienne. On appelle ça un État, on appelle ça autre chose. Ça me rappelle un tout petit peu la déclaration Balfour en, en 1917, lors de la création de l'État d'Israël, qui n'a pas utilisé le mot italien israéliens, ils ont mais utilisé le foyer, foyer national, national. juif. Mmh. Aujourd'hui, les Palestiniens ont besoin d'un foyer national. Ça prendra euh, entre la, la même, le même temps qu'entre 1917 et 1948, j'espère pas, ça a déjà pris beaucoup de temps, mais je crois qu'en dehors de ça, il n'y aura pas de résolution à la question. Le problème, mais on reviendra tout à l'heure, c'est que... Le traumatisme israélien fait que l'acteur israélien aujourd'hui est incapable de penser cette question-là. Incapable, parce qu'il y a quelque chose d'énorme. L'acteur palestinien va devoir être formé de façon très lente et très profonde avec des remugles du Hamas ou autre. Ça nous plaît ou pas, mais ça va être comme ça. Mais surtout dans un monde où l'échiquier international est en train de changer. Les États-Unis se retirent. La Russie va peut-être sortir dans 6-7 mois je ne vais pas dire vainqueur de la guerre d'Ukraine, mais non vaincu par la guerre d'Ukraine, avec peut-être une revanche à prendre dans la région, et une région extrêmement traumatisée par le 7 octobre, avec quelque chose qui va durer, à mon avis, une décennie à une décennie et demie, avec peut-être le risque d'une sorte de guerre d'usure dans la région, euh, dans un seuil acceptable, entre guillemets, c'est affreusement cynique de le dire, mais un seuil contrôlé, mais qui fera que les sociétés de la région, et, 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 et nous on en vient, moi je le vis au quotidien, vont continuer à vivre une sorte de hémorragie extrêmement euh, fatale extrêmement létale et extrêmement déprimante. Merci, Joseph. Euh, donc de remettre ça en perspective et dans l'espace et dans le temps, de, de, de dézoomer en quelque sorte et aussi de nous rappeler donc l'importance de la médiation. Enfin, il faut bien qu'il y ait un tiers ou qu'il y ait des tiers pour sortir de ce face à face. Alors, pour rester encore un instant sur l'actualité immédiate et on va venir vraiment à la question de ce qui peut être imaginé en, en termes de, de solutions politiques aujourd'hui. Je voudrais vous demander, Arié Alimi. Donc vous vous qui êtes avocat, parmi les nouvelles de ces derniers jours, il y a eu ces ordonnances rendues par la Cour internationale de justice de la haie à la suite de sa saisine par l'Afrique du Sud. Donc on voit bien là la dimension internationale de ce conflit. Ordonnances donc par lesquelles la Cour demande à Israël de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir un risque réel et imminent de génocide. Alors, les, les mots ont un sens. Tout ça est très lourd. Je ne sais pas est, quelle est la, la portée symbolique pour vous de, de, ces, de ces ordonnances rendues par la Cour internationale de justice et donc de, de cette tentative de la communauté internationale de se manifester quand même. C'est vrai que jusqu'ici, on a été plutôt frappé par un sentiment d'impuissance de, des organisations internationales et de la communauté internationale. Bon, ici, la Cour internationale de justice s'en mêle, interpellée par l'Afrique du Sud. En même temps, elle ne va pas jusqu'à appeler un cessez-le-feu et on sait que voilà, elles, ce sont des déclarations. Donc je ne sais pas si ça vous paraît important ou pas à ce stade du conflit. Primordial quand on pense que le droit est l'une des solutions à la violence et au conflit militaire. Il y a la politique. Il y a les accords de paix euh, qui se constituent à un moment ou à un autre euh, euh, par le droit, par des contrats. Et puis il y a le droit euh, qui intervient dans le cadre d'un conflit militaire. Le droit a toujours été, euh, anthropologiquement, le moyen de mettre fin au cycle de violence, notamment au cycle de violence militaire. Il y a un juge qui vient, qui émet une décision, qui est aussi une forme de violence, mais qui va trancher définitivement. Le cycle de violence, c'est une des manières d'en sortir. Et puis, euh, la décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice est symbolique à, à plusieurs égards. Et, et donc, son caractère symbolique, même si pour l'instant elle n'a pas de caractère contraignant, puisque Israël peut ne pas appliquer les décisions de la Cour internationale de justice, euh, on verra plus tard, puisqu'elle a aussi un caractère provisoire. Ce sont des mesures d'urgence qui ont été euh, prises euh, dans l'urgence de la saisine de l'Afrique du Sud et du moment euh, qui se déroule actuellement dans le cadre des bombardements et de l'incursion israélienne à Gaza. Ce sont des mesures euh, provisoires mais qui vont euh, initier un processus beaucoup plus long, un, monsieur, un, un processus d'investigation et la Cour internationale de justice dira à un moment ou à un autre, se transformera en organe juridictionnel qui pourra juger les instigateurs d'un éventuel... Euh, Génocide, puisque aujourd'hui, la Cour internationale de justice n'a pas dit qu'il y avait un génocide, elle a dit qu'il y avait un risque plausible de génocide au vu des éléments qui lui avaient été fournis par l'Afrique du Sud. Alors, pourquoi symbolique et pourquoi ce caractère symbolique est aussi ces caractères symboliques sont aussi importants. Rappelons d'abord que le mot génocide a été créé par Raphaël Lemkin. Qui est lui-même un euh, juif polonais qui a été témoin de euh, la Shoah et qui a créé ce mot pour rendre compte d'une réalité point, en termes de qualification juridique qui n'existait pas auparavant. Et cette réalité euh, se compose de deux mots, un mot grec et un mot latin, génos, qui correspond à euh, famille, tribu, euh, ou, et sid, qui correspond au, à l'acte de tuer euh, en latin. Et ce mot, euh, il l'a porté euh, avec tout le cœur d'un homme qui a, a souhaité, en tant que juriste, euh, euh, transformer la vision internationale du droit, euh, du droit pénal. Permettre que les actes qui ont été commis pendant la Shoah, à l'égard des juifs, des tziganes, des homosexuels, des communistes, mais 6 millions de juifs tués pendant la Shoah par les nazis et par leurs alliés, que évidemment cela ne se reproduise pas et qu'on invente un outil qui n'existait pas auparavant, qui a été un petit peu forgé dans le cadre du tribunal pénal, international, le, le tribunal pénal de, de Nuremberg, et, euh, et un outil qu'il a porté et qui a été enfin reconnu en, en 1948 par euh, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, et qui par la suite a été transformé en convention. Et là, on parle vraiment, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire un langage à part. Un langage virtuel qui se place au-dessus de la violence et de la réalité de la guerre, euh, des meurtres, des atrocités qui, sont, qui vont être définies par ces conventions et par le droit international. Euh, cette euh, convention de prévention du génocide, qui a par la suite été euh, ratifiée par l'Assemblée euh, générale euh, des Nations unies et signée et ratifiée par 146 pays, c'est pas rien, dont Israël. Eh bien, cette convention est désormais applicable et elle s'applique sur ce qui forge la compétence de la Cour internationale de justice sur ce risque plausible de génocide. À venir, évidemment, la qualification au vu des éléments qui vont être recueillis. Et puis il y a déjà des enquêtes multiples qui, sont, qui ont été engagées, notamment par d'autres commissions au sein des Nations unies. Pourquoi c'est symbolique que ce soit les Nations unies qui s'en occupent? C'est symbolique parce que Israël a été créé, euh, avant même les Nations Unies, par la SDN. Euh, historiquement parlant, c'est la SDN qui va s'emparer de la déclaration Balfour, qui va euh, créer le destin euh, du foyer juif dont on parlait. Et ça, c'est primordial, puisque on le sait, la SDN est l'ancêtre de l'ONU, qui a disparu parce qu'elle n'a pas pu faire face à l'horreur de la Shoah. Ensuite, parce que... Évidemment, en 1947, il y a une résolution de l'ONU qui va permettre la création, l'indépendance future de l'État d'Israël, qui sera déclarée par la suite au musée de Tel Aviv par David Ben-Gurion. En 1948, le 14 mai 1948. Ça On dit que l'histoire de l'ONU et l'histoire de la création d'Israël sont en fait complètement intriquées. Et, et, et plus encore par la suite. Par la suite, parce que euh, il va y avoir une succession de résolutions qui vont être émises par l'ONU, de, des résolutions qui ont un caractère à la fois politique et juridique, hein, euh, qui ont un caractère contraignant ou pas. Et, et toute la question, c'est de savoir si elles ont un caractère contraignant. Et on voit que il y a quand même quelque chose qui est euh, dérangeant dans l'attitude d'Israël, euh, notamment depuis euh, la résolution 242, euh, le plan de partage. C'est que Israël a été reconnu et doit son existence à une décision des Nations Unies. Et quand on sait qu'Israël ne respecte pas, depuis 1967, en maintenant l'occupation, et, et, et il, faut, il faut en parler de cette histoire parce qu'elle revient dans les esprits en permanence, parce qu'elle évidemment, elle justifie, elle explique, elle, elle permet de comprendre le présent, et que à, à, évidemment les politistes, les géopoliticiens, euh, les, les, les spécialistes du conflit militaire permettent de dire ce qui se passe maintenant et de dire le processus de paix, c'est plus, il est mort. Et c'est plus pour maintenant parce qu'on vit dans un temps de violence extrême qui rend impossible, compte tenu de la nature des belligérants et des personnes en, en présence, qui sont celles qui ont mis fin au processus de paix. Les dirigeants aujourd'hui, tant du côté israélien que du côté euh, de Gaza, sont ceux qui ont mis un terme volontairement et idéologiquement, et par la, euh, par, euh, par, euh, par la guerre et par le terrorisme, au processus de paix. Je pense bien évidemment à Benjamin Netanyahou, après euh, la mort de Rabin, qui a été élu. Euh, en succédant à Pérez, et qui a tout mis en œuvre, on le voit, pour mettre un terme à, à, aux accords de paix, en changeant le paradigme qui était retenu par Yitzhak Rabin et par le gouvernement de l'époque, à savoir la paix contre les territoires, et en le changeant en euh, les territoires contre la sécurité. Et, et donc vous voyez que euh, l'histoire est intriquée dans euh, le présent et dans le droit. Et. Aujourd'hui, la Cour de justice internationale, pour, pour, pour terminer sur, 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 sur ce, ce temps présent, ce temps présent qui, qui, est toujours, qui intervient toujours, le droit intervient toujours, et les juridictions, le droit international, le droit national intervient toujours a posteriori. C'est-à-dire qu'il ne peut pas intervenir, il peut prendre des mesures provisoires, non contraignantes en l'occurrence, qui ont quand même un caractère politique et international extrêmement fort. Cette deuxième symbolique, c'est que c'est l'Afrique du Sud qui va saisir la Cour internationale de justice. Pourquoi c'est éminemment euh, symbolique Parce que euh, l'Afrique du Sud est le pays qui est sorti de l'apartheid. Et, euh, et évidemment, le terme apartheid est un, euh, est un terme, une qualification juridique qui permet d'ailleurs de, de caractériser euh, des, crimes, euh, des crimes contre l'humanité hein, aujourd'hui. Mais euh, surtout, c'est un mot qui est... Euh, qui est de plus en plus utilisé par des organisations internationales comme Amnesty, pas par la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi Parce que, pour certaines raisons, nous considérons que euh, même si le terme pourrait être, éventuellement être utilisé et qualifié, même si la qualification pourrait être adéquate compte tenu des éléments constitutifs de l'apartheid, il y a des raisons politiques qui incitent à ne pas forcément l'utiliser. C'est une question politique. Les termes juridiques ont aussi une vertu politique. Euh, mais surtout, voilà, on sort et c'est l'Afrique du Sud qui, euh, c'est important de le dire, euh, a usé de la lutte armée. Euh, Nelson Mandela, a, à un moment, a dit euh, nous devons sortir de la simple euh, politique de non-violence qui était la nôtre euh, euh, dans, dans le cadre de l'ANC. Et il va créer le, MK, le MKS, au fait, de ma part, et il va dire on, on va être dans la lutte armée. Alors, il y a beaucoup se trompent. Sur, sur la lutte armée. Et là aussi, on parle de droit et d'éthique de la résistance du côté palestinien. Pourquoi j'en parle Parce qu'il faut aussi parler du 7 octobre. Et que le 7 octobre peut aussi entrer dans une qualification de crime contre l'humanité, indéniablement. Des juges le diront plus tard. Mais la lutte armée, elle a une éthique. Et euh, on dit beaucoup que l'Afrique du Sud a fait usage de la lutte armée et de la résistance en visant des civils. C'est faux. Euh, il y a eu des sabotages. Il y a eu euh, des infrastructures militaires qui ont été visées. Euh, pas des civils. Il y a eu des, bon, des, des, des explosions, hein, il y a eu du terrorisme, mais pas forcément euh, par euh, le MKS. Donc, juste redire que euh, les symboliques qui sont utilisées dans le temps présent par, euh, une certaine, par beaucoup de jeunes, qui n'ont pas euh, le retour sur ce qui s'est passé dans le passé, euh, il faut re revoir cette histoire pour comprendre que euh, ça n'est pas la même chose. En revanche, effectivement l'Afrique du Sud qui saisit la Cour internationale de justice et qui obtient aujourd'hui eh ben, euh, des ordonnances importantes. Pour terminer, euh, aujourd'hui la Cour internationale de justice indique qu'il y a un risque plausible de génocide, ça veut dire qu'il y, euh, y a peut-être des meurtres de membres du groupe, le groupe palestinien, euh, une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Ou bien une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, ça c'est la définition du génocide. Que dit la Cour internationale de justice pour terminer Elle dit que l'État d'Israël doit d'abord veiller à ce que son armée ne commette pas ces actes, et ça vaut pour le futur, bien évidemment. Ensuite, qu'elle doit prévenir et punir l'incitation et génocide. Et on a entendu un certain nombre de termes et d'expressions qui participent du génocide. On l'a vu notamment au Rwanda, lorsque les Hutus utilisaient, notamment dans le cadre de Radio Mille Collines ou d'autres dirigeants, des propos qui ont permis d'instaurer un esprit génocidaire. Quand on parle de Inyenzi au Rwanda, c'est-à-dire les nuisibles, les cafards, s'agissant des Tutsis, évidemment on animalise et on déshumanise, c'est ce qu'on ce qu appelle la brutalisation des esprits. Et, et ça permet euh, évidemment la commission du génocide. Euh, L'État d'Israël doit prendre également euh, des mesures effectives pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire parce qu'on l'a vu euh, et ça a été également appréhendé dans le cadre du risque plausible de génocide. Eh bien au début, on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité, on a affamé une population civile. Les bombardements étaient indistincts. Tout ça, ça a participé de la décision de la Cour internationale de, ju de, de justice. Et évidemment, le fait de ne pas permettre à l'aide humanitaire d'aboutir, ça fait également partie des caractéristiques. Et finalement, et c'est le dernier point de la Cour internationale de justice, ce qui est important aussi, c'est de prévoir le futur, la future décision qui sera rendue. Et cette future décision ne peut exister que si les preuves existent. Et on sait que dans le cadre de ces actes génocidaires et potentiels, ou dans les crimes contre l'humanité ou dans les crimes de guerre eh bien les initiateurs et les instigateurs et là s'agissant du crime contre l'humanité on peut également parler du hamas vont tout faire pour faire disparaître les preuves qui vont permettre une résolution judiciaire. Merci, alors à vous entendre tous les trois enfin, en fait vous m'avez devancé puisque ce que, ce que je voulais vous demander dans un deuxième temps c'était de revenir sur ce vocabulaire du processus de paix puisque on voit bien enfin moi je, je le voyais en préparant cette rencontre que ce vocabulaire semble euh, presque désuet, dépassé donc vous en avez chacun parlé le processus de paix est mort alors est-ce qu'on peut le réveiller ou pas et en même temps euh, donc processus de paix c'est une référence pour moi à la, à, la, à la conférence de paix de Madrid en 91, aux accords d'Oslo en 93 avec ce sentiment qu'on n'a peut-être jamais été aussi proche euh, d'une paix possible mais qu'ensuite c'était il y a 30 ans et que ça, ça a échoué donc euh, évidemment qu'il faut prendre en compte les raisons pour lesquelles ça a échoué euh, la situation qui a changé euh, sur le terrain euh, et donc peut-être que ce vocabulaire est derrière nous, peut-être que le processus de paix est mort mais en fait je crois que vous nous dites aussi chacun qu'en même temps il n'a jamais été aussi nécessaire et que donc il est très difficile, il n'existe plus, euh, la solution à deux États est-elle encore praticable, on a, on a toutes ces questions à l'esprit, euh, mais euh, c'est la quadrature du cercle. Donc euh, ce processus de paix ne peut plus fonctionner et on ne peut plus fonctionner sans ce processus de paix. Donc euh, je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait répondre peut-être sur Joseph, est-ce que, est que tu veux embrayer sur cette question tu c'est effectivement une quadrature du cercle et c'est une question très, très, très difficile. En fait, peut-être que le, pour échapper à ce, à ce dilemme... Il faut changer de, de vocable très faible, c'est-à-dire on ne parle plus ici de processus de paix, c'est-à-dire le processus de paix tel qu'il avait été enclenché à Madrid. Bon, D'abord, il a des conditions géopolitiques historiques très particulières. C'était la sortie de la guerre froide, c'était le moment unilatéral américain, c'était l'après-guerre d'Irak. On l'oublie avec des États-Unis complètement hégémoniques dans la région, donc on était capable d'asseoir tout le monde autour d'un table. Déjà, à l'époque, ils avaient dû forcer le bras du Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Shamir, à qui les Américains ont vraiment tordu le bras, parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc ce n'est pas nouveau que seulement Netanyahou n'est pas très enclin d'habitude à, à la négociation, non-obstant aussi l'attitude des autres acteurs, mais je me focalise sur ça. Donc il y avait déjà un contexte historique. Peut-être c'est le mot processus. Aujourd'hui, je pense que ce qui est en jeu, et c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est de... Peut-être de, de, de commencer par la fin, c'est-à-dire de vraiment dire il faut créer une entité euh, gouvernable palestinienne. Et c'est ce que disent d'ailleurs les Américains, le, le, hein, Voilà force. le problème. Mmh. Du, ils le disent, mais en même temps, on ne voit pas très bien comment ils vont le faire. Et c'est là où c'est peut-être la, la, la deuxième partie de l'argumentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est jamais, on n'a jamais été, comme, comme, vous, comme tu l'as dit, Anne Lorraine, on n'a jamais été aussi conscient qu'il faut le faire mais on n'a jamais été aussi loin dans les conditions objectives, pour les raisons que, que, que Denis euh, expliquait. Aujourd'hui, quand je lis, les, je lis mes collègues israéliens, où je, je, je suis ce débat, en fait, on est dans un moment extrêmement compliqué psychologiquement. C'est une question psychologique beaucoup plus que politique. On a, il y a une conscience très forte dans la société israélienne qu'on qu ne pourra pas vivre en paix, que le 7 octobre se répétera ad infinitum. Si on ne fait pas quelque chose pour les Palestiniens, alors ce quelque chose, ensuite on peut en parler, deux États, un État, etc., mais en même temps, les mêmes dans la société israélienne disent, mais après l'horreur du 7 octobre, il n'est pas question de faire quelque chose, on ne peut pas parler avec ces gens-là. Et, et il n'y a pas d'acteur palestinien avec qui parler. Alors déjà, il faut sortir de ce moment psychologique ou psychique. Il faut un tiers, comme en psychanalyse d'ailleurs, il faut un tiers, et le tiers n'est pas là. On n'est plus dans le monde de 91, de, de la conférence de Madrid, et il faut reconstruire les acteurs, et c'est là la difficulté. Donc il va falloir d'abord débrancher, euh, débrancher la, 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 la pile qui, qui fait fonctionner encore Natania, où est la machine et la remplacer par autre chose. Et ça, ça prend un, deux, trois ans. Ça veut dire des élections, ça veut dire une nouvelle classe politique qui émerge, un changement d'état d'esprit, des intellectuels israéliens qui reprennent un langage de coexistence difficile, mais, mais, mais nécessaire. Il va falloir refaire la même chose du côté palestinien, c'est-à-dire une autorité palestinienne qui, au fond, vit de la corruption. De, 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 de l'absence de, de vrai processus parce qu'elle est là à défaut d'autres choses, etc. Un Hamas qui prospère sur la misère de Gaza depuis des années. Donc il va falloir remplacer tout ça en relançant un processus palestinien. Le propre de, de, de nos sociétés n'est pas vraiment la réussite démocratique jusque-là, je suis désolé de le dire. Il va falloir qu'on passe par ça. Il va falloir qu'il y ait un parrainage arabe de tout ça. Or, les Arabes, le 6 octobre au soir, étaient dans le rêve de la normalisation et de la prospérité pétrolière et post-pétrolière en oubliant la Palestine. Donc tout ça, ça va être compliqué. Et puis, il y a enfin, comme je le disais, la donne internationale. Donc aujourd'hui, peut-être pour éviter l'échec, il serait peut-être temps, mais je ne sais pas qui serait l'acteur international, l'Europe, qui en Europe. Euh, les états-unis j'en suis moins sûr mais qui, 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 qui passera peut-être à la, à la phase ultime c'est à dire de dire on proclame un État palestinien, même s'il est fictif aujourd'hui, même s'il n'a pas de territoire. Je ne sais pas, mais on proclame, c'est-à-dire vraiment repartir de ce qu'a été peut-être la déclaration de Venise pour l'Union européenne. En, je ne sais plus que si c'était en 83 ou 84, 80, 80 voilà. C'est-à-dire de dire on reconnaît un État palestinien. Qui aujourd'hui en Occident, en Europe, aura le courage politique, politique de dire demain matin je reconnais un État palestinien tel qu'il sera proclamé ce soir. Et à partir de là, on commence la négociation entre cet État fictif, embryonnaire, euh, fœtal, tout ce que vous voulez, et Israël. Sur les frontières, les garanties de sécurité, État démilitarisé ou pas, ou pas. Dernière chose à ce, à ce sujet, on oublie aussi que ça fait 3-4 ans ou plus que l'antienne la, de, 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 des deux États, de la solution à deux États. Je suis désolé, on disait qu'on parle d'un cadavre mais ça aussi, c'était un cadavre. Pour les spécialistes de, de, de cette région, je peux citer 15 articles dans Foreign Affairs, dans Foreign Policy, ailleurs, tous les grands spécialistes du processus de paix, et il y en a beaucoup aux États-Unis ou ailleurs, disaient les deux États, ça, ça ne peut plus exister, pas parce qu'on ne le veut pas. Mais la réalité physique des deux États n'existe plus. La colonisation a fait qu'il n'y a plus de territoire. Les, les, vous avez regardé une carte de la Cisjordanie. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est le métro de Paris. Il faut trouver des, des, des correspondances pour passer d'un quartier à l'autre, etc. Donc il n'y a plus de réalité des deux États. Les Palestiniens eux-mêmes, la nouvelle génération des Palestiniens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas prospéré matériellement sur l'idée d'une entité palestinienne soutenue par l'argent du contribuable européen, c'est-à-dire vous et nous, etc., euh, disaient, arrêtez, il n'y a pas d'État palestinien possible, il n'y a pas deux États. Le but aujourd'hui, et là on revient à l'apartheid justement, c'est l'État unique. Binationales avec des droits égaux. On était passé à ça il y a quelques années. Euh, lorsque je travaillais dans un centre de recherche à Washington, on avait fait un, un focus group en Jordanie avec des Palestiniens, des cadres de l'OLP, du, du Fatah, de, du FPLP et autres à Amman. Et la question, c'était est-ce que vous croyez encore à la faisabilité d'un État palestinien, c'est-à-dire la solution des deux États Unanimement, c'était c'est impossible, physiquement, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le combat se déplace sur l'égalité des droits au sein d'un État euh, binational, ce qui était un peu le rêve de la gauche israélienne, d'ailleurs, dans les années 50. Or, le problème, c'est qu'au même moment, justement, Netanyahu ne s'y est pas trompé il a passé sa batterie de lois. Euh, euh, sur la judaïté de l'État d'Israël, mmh. qui exclut mmh. tout autre citoyen, donc qui crée un apartheid au sens juridique du terme. Et puis, dernièrement, on oublie aussi qu'à la veille de la guerre, Netanyahu était, était conspué dans la rue unanimement parce qu'il passait une réforme judiciaire et constitutionnelle qui, qui, en fait, qui allait conduire à une sorte d'établissement d'État autoritaire en Israël. Donc, on est vraiment dans la quadrature du cercle en termes de, de rapport de force politique dans la quadrature du cercle en termes d'imagination politique. Il n'y a pas d'imagination politique pour cette affaire. On ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Et on est dans la quadrature du cercle du fait de... Euh, la, la, donne, la donne internationale qui a radicalement changé avec des puissances aujourd'hui alternatives dans le monde qui n'ont pas la même grammaire, qui n'ont pas la même vision du monde. La Chine n'a pas la même, le même passé du processus de paix. La Russie n'a pas les mêmes intérêts, n'a pas le même passé sur le processus. L'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui un nouvel acteur émergent avec les BRICS, etc., a peut-être une autre vision des choses. Donc je pense qu'il va falloir vraiment repenser l'ensemble de cette question. Et donc Mais... je ne sais pas si on peut dire, peut-on relancer un processus mais peut-on repenser aujourd'hui un processus de paix ce sera, ce sera Et, et, que et ce diriger. que vous nous dites, donc si je vous comprends bien, c'est que ce qui avait été posé comme le terme ultime quand X conditions seraient remplies, qui était la reconnaissance d'une souveraineté palestinienne, euh, en fait, pour vous, aujourd'hui, il faudrait presque inverser en fait, et commencer par en, en ça, fait, même sans savoir dans quelles conditions. C'est un processus classique en, en politique dans tous les conflits. Lorsqu'on met un phasage, on donne aux acteurs de nuisance le droit de veto. C'est-à-dire si on dit bon si ça se passe je ferai le deuxième pas, c'est très simple, l'acteur qui ne veut pas que, que le, le truc ultime se passe fait flopper le Donc premier pas. Donc on commence pas. par la fin. Bon, on commence par la fin. On met les gens devant le fait accompli. Comme Israël <laughs> le gouvernement Netanyahu a fait des faits accomplis sur la colonisation, aujourd'hui il faut qu'il y ait un fait accompli territorialo politique, qui s'appelle la Palestine. Et ensuite, on réfléchira aux conditions de, de viabilité. Avec pas avec, mal d'imagination, voilà, si avec, ça doit se faire sans avec continuité des territoriale. Des acteurs bénévolents qui sont capables de venir au chevet. Voilà, il y a aussi terre. cette voilà. question avec qui, Exactement. avec qui euh, parler de cette de cette paix maintenant. Euh, Denis euh, Charbi, je peux vous demander votre votre réaction donc à cette euh, oui, idée de, de Joseph je <demander>. Commençons par les acteurs. Je souscris à peu près à une grande partie des propos de Joseph. Et c'est vrai que la question est d'abord politique, c'est-à-dire qu'actuellement, parler d'une relance ou même de repenser le processus de paix avec les acteurs que nous avons, c'est complètement absurde. Pour ce qui est d'Israël, passons acteur par acteur. Pour ce qui est d'Israël, ça veut dire effectivement que des élections devront avoir lieu, auront probablement lieu, dans l'année 2024. Voire début 2025. Tout dépend effectivement de l'issue probable, immédiate euh, du cessez-le-feu dans les semaines, dans les mois à venir. Il faut bien comprendre que euh, la situation est politiquement très ambiguë en Israël. Elle est très politiquement pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, à l'intérieur de la population juive d'Israël, hein, narratif contre narratif. Après les massacres de masse du 7 octobre, euh, c'est le narratif. De la droite qui l'emporte. Pas le narratif tactique de la droite qui consistait à dire pour affaiblir l'autorité palestinienne, on va soutenir le Hamas. Je veux dire, même si effectivement on a euh, le, le, Netanyahou a, a, a consenti à ce que euh, le Qatar, que je précise, paye les salaires des fonctionnaires que l'Union européenne versait à l'autorité palestinienne et que l'autorité palestinienne ne voulait plus reverser au Hamas. Faut bien comprendre. Euh, bon. Ce, 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 cette erreur tactique, bien sûr, euh, qui, qui euh, explique la, la colère contre euh, Netanyahou, mais en, encore une fois, en termes de narratif, c'est le narratif de la droite qui l'emporte, c'est-à-dire celui qui consiste à dire, je vous l'avais bien dit, avec le monde arabe, euh, et notamment euh, les Palestiniens, et notamment lorsqu'ils sont islamisés, radicalisés, euh, et même si nous avons une part dans, cette, dans ce renforcement du Hamas, qu'importe les erreurs, que, là je parle au nom des Israéliens, qu'importe les erreurs et l'encouragement que nous avons pu donner au Hamas ces dernières, cette dernière décennie, le fait est qu'aujourd'hui, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, la cause palestinienne est confisquée ou en tout cas appropriée par le Hamas, la perspective d'un processus de paix est euh, totalement euh, révolue, quel qu'il soit. Euh, d'un autre côté, et c'est pour ça que la situation, je dis politiquement, est ambiguë, si le narratif de la gauche euh, qui laissait entendre que... Et, et là, je, je me permets de le dire, c'est que depuis 20 ans, hein, de, depuis, globalement depuis que Netanyahu est au pouvoir, la gauche politique ou le centre étant relativement affaiblie, qu'est-ce qu'a fait la gauche Elle s'est reconvertie dans les droits de l'homme. C'est ça qu'a fait la gauche. Euh, ils ont quitté les partis politiques et ils sont allés dans des associations, Betselem, etc., remarquables, pour dire, bah, à défaut de pouvoir résoudre le conflit, on va pouvoir l'atténuer. Alors on a fait quoi, par exemple On a beaucoup dit ces derniers temps, après le, le, le massacre du, du 7 octobre, voilà, euh, on va faire venir euh, des, des personnes atteintes du cancer qui sont à Gaza et on va les faire passer euh, euh, à Tel Achomer ou à adassa pour être soignées, etc. Euh, avec cette idée que ça maintenait une sorte d'humanisation voilà, du conflit, parce qu'il est entre les mains des politiques qui, euh, qui, euh, qui elles, enfin ces autorités politiques, israéliennes ou palestiniennes, ne veulent pas véritablement en entendre parler. Euh, et là, bien entendu, ça s'est retourné contre ce narratif-là, en disant ben voilà, les premières victimes du massacre, c'est toutes celles et tous ceux qui étaient militantes de ces associations-là, et, et, et dont on voit finalement que ça n'a servi à rien, puisqu'on prétend même que les ouvriers qui venaient travailler dans les kibboutz euh, enveloppant la, la bande de Gaza sont ceux là même qui ont ensuite donné et, tous les renseignements et, sur. Et les donc ce que vous arabes. dites, c'est que cette gauche doit se remettre à faire de la politique. Exactement. Voilà, enfin, je ne dis pas qu'il faut abandonner le terrain des droits de l'homme, mais je dirais que là, il faut bien comprendre qu'on qu paye aussi le prix parce qu'on était catalogué comme ceux qui pensaient que voilà, ils sont euh, et, et je dirais euh, d'une certaine manière que si la paix doit, elle doit être faite, bien sûr, mais ce sera une paix sans s'aimer. Voilà. Ce n'est plus avec cette notion idyllique de cousin d'Abraham, etc., parce que ça ça s'est fracassé. Parce que la Ce est vocabulaire mmh. sera inaudible au moins pendant quelques années. Après, on ne sait jamais. Alors vous allez dire, mais alors là, je suis en train de décrire une situation complètement obstruée. Oui, à une exception près, c'est que ces massacres du 7 octobre ont eu lieu sous l'autorité du gouvernement Netanyahou. Et je vois bien, d'ailleurs, chez ceux-là même en Israël, de, ga de gauche favorable à une solution, même s'ils n'étaient pas forcément très militants, qui me disent, lorsque je les intéresse, alors la paix, euh, alors euh, compassion pour ce qui se passe à Gaza, me disent non, non, actuellement, je n'ai oh, pas de place dans mon cœur pour une compassion. Euh, en, en, ça, ça j'ai déjà donné pendant dix ans. Maintenant, c'est terminé. Et, euh, euh, et justement, euh, euh, compense ce déficit en termes de narratif par cette sorte de colère qui gronde. Et c'est là où il y a une petite note d'espoir, non seulement chez ceux qui ont voté au centre et à gauche, mais notamment chez ceux parmi les Israéliens, et il y en a quand même, qui sont dépolitisés. Et qui ont, euh, voilà, euh, se sentent floués par, par Netanyahou, qui, pendant des années, a réussi à gagner les élections, parce que par rapport à tous ses concurrents, il était monsieur sécurité. Or, M. Sécurité a été confronté à la plus grosse catastrophe en termes sécuritaires. Et c'est là, donc... Alors, pourquoi c'est encore plus compliqué pour terminer sur cet aspect-là Parce que Benny Gantz et Eisenkot, ben, ils font partie du Conseil de guerre. Et donc, si finalement, euh, euh, on se rend compte qu'on n'a pas ré réalisé la fin de cette éradication du Hamas, ben, ils y sont aussi pour quelque chose, puisque c'est eux qui ont participé à cette opération et qui n'aboutissent pas aux fins espérées. Donc, tout ceci... Euh, crée, je dirais encore une fois, un flou politique. Il me semble que, alors, as, ah, voilà, alors avec une carte près, voilà, le, parce que je sais bien que Netanyahu est quand même un, un phénix qui est souvent parvenu à, 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 à gagner les élections alors qu'on le donnait perdant. Sa seule carte ici sera de dire je suis le seul leader qui peut s'opposer à Joe Biden pour la création d'un État palestinien. Tous les autres vous diront qu'ils ne voudront pas d'un État palestinien, mais finalement, ils seront acculés parce qu'ils n'ont pas l'autorité, la puissance, etc. etc. Est-ce que ça marchera Dans quel degré Ça lui permettra de reconstituer un tout petit peu plus sa base, etc. On, on s'entend, enfin, on, on est, et, et compte tenu aussi de l'année 2023 dont on a parlé, on considère qu'il euh, a peu de chance au final, mais il faut rester vigilant. Et, et n'oublions pas, et là, je voudrais peut-être ajouter un autre point, euh, n'oublions pas que... Euh, s'il y a une carte qu'on n'a jamais véritablement prise au sérieux, c'est le fait qu'Israël est une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, c'est une démocratie et donc il faut tenir compte de l'opinion publique. L'opinion publique est favorable à... Vous savez, je dis souvent, les Israéliens, ils ne veulent pas la paix, ils veulent la sécurité. Okay et donc, quand, en 1900, dans les années 90 le, le, le pouls international c'est un nouvel ordre ben, l'apartheid est fini euh, euh, Saint patrick en Irlande ben, alors nous aussi on va y aller de cette contribution euh, à, à, à ce processus de paix et puis quand on est 2001 le 11 septembre etc et l'Irak et l'Iran et, etc l'israélien euh, 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 le, le marais pas les les, 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 comment -je, les ultra euh, favorables à l'annexion des territoires non ceux qui disent Bon, je suis un peu méfiant et comme la, 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 actuellement c'est ça le pouls de, 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 de la Palestine, ben on sera plutôt méfiant. Qu'est-ce qui va l'emporter Je ne sais pas. Mais là où je voudrais euh, peut-être ajouter un ingrédient supplémentaire. Alors bien sûr que du côté palestinien, la question se pose. Parler d'un processus de paix quand on ne sait pas qui est la direction palestinienne. Alors, euh, le, si vous voulez, une proposition de ma part, c'est Marwan Baragouti qui est en prison actuellement parce qu'il est celui qui obtiendra la légitimité palestinienne intérieure, et Salam Fayyad, qui était celui qui avait mis de l'ordre dans les services de sécurité quand il était Premier ministre de Mahmoud Abbas de 2007 à 2013, et qui est le technocrate dont nous avons besoin pour reconstruire la bande de Gaza. Mais je voudrais dire un dernier mot, si je n'abuse pas de mon temps, euh, euh, concernant la, la communauté internationale, concernant l'Europe. Oui. Voilà. Euh, je le dis et je le répète, et ce sera ma ritournelle pour les, les semaines et les mois à venir, euh, parce que quand on parle de processus de paix, euh, on laisse entendre que l'échec du processus de paix est imputable à Israël. Sachez que les Israéliens n'en sont absolument pas convaincus. Euh, l'échec du, du sommet de Camp David, quelles que soient les erreurs commises par Barak, c'est Yasser Arafat qui les prend. Okay Donc, n'oublions pas, on dit euh, le, depuis 30 ans, il s'est rien passé. Désolé pour l'Israël, il s'est passé au moins deux processus de paix. Celui de, de 2000, qui a échoué, et pas clairement à cause des hauts Barak, même s'il a fait sans doute des erreurs. Euh, et le deuxième, c'est celui de, entre Mahmoud Abbas et huit Olmert, 2008-2009, qui n'aboutit pas non plus. Alors, les responsabilités sont beaucoup plus complexes, sans doute. Mais ce que je voudrais finir par dire, c'est quelle est la position, alors non pas de l'Union européenne, euh, mais je dirais des opinions publiques. Et moi, j'estime que euh, la responsabilité, celle d'esprit, la vôtre, c'est effectivement de, de ne plus tenir un discours dont je pourrais dire ce discours-là, vous auriez pu prononcer le même le 6 octobre. C'est-à-dire, si le discours européen consiste à dire euh, euh, apartheid, génocide, euh, apartheid, euh, euh, colonialisme. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'en être convaincu intimement, mais vous, ne, vous, 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 vous vous priverez de la seule chose qui compte dans les relations internationales, c'est la capacité d'influencer. D'avoir des convictions, c'est très bien, mais si vous voulez influencer les Israéliens, et je ne dis pas Benjamin Netanyahou, il n'est pas l'homme de l'après, la, de, 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 de okay l'opinion publique israélienne, il faut la rassurer. Il faut lui dire un discours qui consiste non pas à dire. Euh, il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de colonialisme, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas d'intention euh, génocidaire pour le futur. Pour le présent, nous en avons été lavés. Là, je, tout, je suis peut-être un tout petit, pas tout à fait d'accord avec euh, l'analyse. Du 7 octobre à au, au jour où le, 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 le CIG a pris sa décision, nous avons été lavés de l'accusation de génocide. On nous dit attention, vous devez prendre des mesures pour l'empêcher. Et on fait confiance, en quelque sorte, à l'État d'Israël. C'est pour ça que je, ma lecture est beaucoup plus euh, euh, sobre de, 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 de cette ordonnance. Mais ce que je veux finir par dire, c'est que la responsabilité de, 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 de toutes les opinions, et notamment des opinions intellectuelles, c'est de cesser de penser que pour avoir, pour être entendu, il faut choisir un camp. Arrêtez d'être pro-israélien Alors... ou arrêtez d'être pro-palestinien. Soyez les deux. Dites quelque chose qui ouvre un horizon politique pour les Palestiniens, ça c'est capital, mais vous ne pouvez pas, précisément parce qu'il y a des élections, précisément parce qu'il y a une opinion publique qui est convaincu qu'elle est plongée dans sa solitude avec ce qui s'est passé. From the river to the sea. S'il y a bien un démenti, mais pour le, devant lequel la gauche est totalement démunie, on n'a pas manifesté pour deux États, on n'a même pas manifesté pour un État binational. Quand on dit Free Palestine, from the river to the sea, et ce pas été dit en Palestine, ça a été dit aux États-Unis, eh bien cela veut dire très clairement que on en est à une phase de régression totale. Et cela veut dire que la responsabilité est celle-là, de toujours faire un pas en avant et un pas en arrière. Quand on fait une concession palestinienne, faire une concession analogue aux Israéliens. Ce ne sera pas de même nature, bien sûr, mais c'est la seule chance. Et c'est pour ça que je dis que c'est votre responsabilité de ne plus tenir ni un discours pro-israélien, point barre, ni un discours pro-palestinien, point barre. Et ça ne veut pas dire pour autant que je pense que les deux sont symétriques. Là, il y a un État, là, il n'y en a pas. Bien entendu, qu'on peut être... Euh, mais... mais Faire, faire en sorte, ma dernière phrase, faire en sorte que tout ce que vous disiez et écriviez, on puisse dire ça, ça a été écrit après le 7 octobre. Merci. Alors, alors non. Alors, pardon, je, vais, je, je vous demande encore un petit instant. On va se tourner vers vous pour des questions, c'est promis, et je vois que l'heure tourne. Donc, on ne va plus trop tarder. Euh, mais merci en tout cas d'avoir devancé cette question sur les responsabilités des uns et des autres, parce que c'était bien là-dessus que je voulais terminer notre discussion. Mais je voudrais redonner la parole à Ariel Alimi quand même. Alors, peut-être en englobant les deux questions, donc celle de votre réaction à ces discussions de d'établissement d'un État palestinien, d'une souveraineté palestinienne qui n'ont jamais été aussi difficiles et jamais été aussi nécessaires, qui sont même euh, indispensables et il faut commencer par là sans doute, comme, comme nous disait Joseph tout à l'heure. Donc euh, retour à la politique, retour à la géopolitique indispensable, mais aussi euh, responsabilité des opinions de nous tous euh, dans la façon qu'on a de formuler euh, les termes de ce débat. Alors le débat en France il me semble assez différent aujourd'hui euh, du débat euh, euh, aux États-Unis, euh, par, par exemple, et peut-être qu'on peut, euh, peut euh, s'en féliciter. Euh, mais euh, je, je, comment comment est-ce que vous réagissez, Ariel euh, Alimi Donc à la fois à cette nécessité de revenir à la politique, euh, mais aussi à cette idée que chacun d'entre nous a une responsabilité. À la revue esprit, on a beaucoup travaillé avec un maître des relations internationales qui s'appelait Pierre Assner. Euh, voilà, sur lesquels il y aura deux journées d'études demain à l'école. Normal et Pierre Asner disait toujours les relations politiques, c'est des États, c'est des organisations internationales et c'est des sociétés. Et donc, je voulais bien terminer sur cette question de la, de la société. Donc, euh, quelle est peut-être notre responsabilité, euh, membres de la société civile, ici, là-bas, euh, ailleurs, euh, au Moyen-Orient, euh, dans euh, ces, ces circonstances euh, euh, passionnelles Là où on va être d'accord, c'est qu'on est dans un moment d'assujettissement identitaire. Complet. On doit choisir un camp et on nous impose de choisir son camp. Euh, et évidemment, il ne faut pas accepter cet assujettissement identitaire. Et si on ne l'accepte pas, on risque l'assignation identitaire, qui est encore un autre mécanisme. Et on, on, on est tous soumis, là je parle de la France et je parle d'autres pays, à ces mécanismes euh, qui, euh, qui, évidemment, mais. Empêche notre voix en tant qu'opinion publique internationale, puisque nous ne faisons pas tous partie de l'opinion publique internationale, et notre voix est importante. Elle n'est pas déterminante, mais elle est importante. Mais il ne faut pas oublier euh, que euh, euh, aujourd'hui, on est dans un moment de conflit militaire, et que cette voix, elle s'exprime avec les cœurs, avec les histoires, avec les narratifs, par une société civile, notamment en France. Euh, qui euh, qui a conçu la cause palestinienne comme le symbole absolu de, euh, du combat pour l'autodétermination de des peuples. Probablement euh, l'un des derniers. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle il y a autant de personnes dans la rue, pas qu'en France d'ailleurs, beaucoup plus euh, ailleurs, en Angleterre euh, ou ailleurs. La France d'ailleurs euh, n'est pas. Alors il y a eu des interdictions de manifester. Nous, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme, on considère que tout le monde doit pouvoir s'exprimer parce que sinon ça crée de la violence à ne pas pouvoir exprimer un soutien à la cause palestinienne au moment où Gaza est bombardée. Au moment où il y a... Alors je, je, je peux vous donner l'exemple d'une interdiction généralisée, certes, par le ministère de l'Intérieur, mais après vous avez eu... Une douzaine d'interdictions successives, notamment par le préfet de Nice, semaine après semaine, et la Ligue des droits de l'homme a été obligée de saisir le tribunal administratif qui, semaine après semaine, disait au préfet, ça n'est pas possible, le préfet, c'est le représentant de l'État. Donc, euh, d'abord l'expression, d'abord dire l'indignation, d'abord, effectivement, la colère ne doit pas s'exprimer par la violence. Et ça, nous sommes sur le terrain français. Elle doit s'exprimer dans la rue, éventuellement ou par d'autres biais, et ça permet justement de canaliser la violence populaire qui s'exprime à travers les corps et les voix de la jeunesse française, qui s'y apparente. Pourquoi Parce que, évidemment, cette jeunesse, notamment, hein, elle est euh, de gauche, d'extrême-gauche, elle est aussi une jeunesse euh, arabo-musulmane qui s'identifie, évidemment, à la cause palestinienne. Pourquoi Parce qu'elle vient de pays qui, eux-mêmes, ont subi la colonisation. Et, euh, et ensuite une décolonisation et donc évidemment on a ce processus il faut le comprendre et euh, dire et leur dire vous ne pouvez pas utiliser des mots des termes, Tant qu'on n'est pas dans des termes qui résultent d'une violation de la loi et d'un abus d'expression de la loi de type apologie du terrorisme, du type incitation à l'antisémitisme, etc. Moi, je considère qu'il s'agit d'une expression qui doit pouvoir s'exprimer justement pour éviter la violence. Est-ce qu'elle a une efficacité Ça, c'est une vraie question. Est-ce que nous, dans la rue, quand on va dans la rue, quand on empêche ou qu'on qu empêche une interdiction de manifester quand on fait des pétitions, vous avez vu des milliers de pétitions qui ont circulé dans tous les sens, d'un côté comme de l'autre. Lorsqu'on vient s'exprimer contre l'antisémitisme aussi, lorsqu'on vient de s'exprimer contre l'antisémitisme à l'égard d'Israël, et, et, et la question se pose également, parce que il y a, il y a eu évidemment derrière cet antisionisme violent qui s'est exprimé, il y a aussi, bien évidemment, une large part d'antisémitisme à un moment ou à un autre, il faut le dire. Donc tout ça, euh, c'est réglé par le droit c'est réglé par le droit. Euh, mais lorsqu'il n'y a pas d'abus, il faut laisser s'exprimer cela. Est-ce que c'est efficace Je ne crois pas. Je ne vois pas ce qu'on peut bien faire dans des circonstances actuelles. Les circonstances actuelles, on l'a dit, ce sont malheureusement le droit international euh, et euh, les processus de ce type reposent encore sur des personnalités. Euh, le processus de paix, euh, dans les années 90, en 95, ça n'était que des personnalités. On, on, quand on revoit le récit euh, des discussions entre euh, Arafat euh, et euh, Netanyahu et Clinton, notamment à White Plantation, on voit euh, un Netanyahu euh, qui... Pardon, Pardon Non, non, à White Plantation, c'était Netanyahou. Non, 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 c'était bien euh, Netanyahu à, à White Plantation, euh, après euh, la mort de Rabin, après l'élection de... Donc il a poursuivi le processus de paix, bon an, mal an, il ne voulait pas forcément, mais... On a ce problème, c'est que derrière les personnes il y a des idéologies et même et quelquefois il y a des cynismes qui se servent d'idéologies. C'est le cas de Netanyahu à mon sens. Euh, tant que les idéologies l'emporteront sur la confiance et le droit, quand je parle de droit, on revient sur le droit. Euh, on parle de confiance. Évidemment, cette confiance, elle peut se restaurer d'une mille manières possibles. D'abord par des personnalités comme celles qui existaient à l'époque. Clinton a tapé du poing sur la table à plusieurs reprises pour permettre la, 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 la perpétuation du processus à l'égard de personnes qui n'en voulaient pas. Alors même que, effectivement, la société israélienne était en proie à un terrorisme terrible. Il y avait des bus qui explosaient partout il y avait euh, un terrorisme du Hamas euh, euh, qui, euh, qui, évidemment, ne permettait, ne permettait pas le, le, le processus de paix. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a assisté à un moment extrêmement important euh, à cette époque-là. Et je crois que ce moment, il, il permet d'espérer. Euh, parce que l'on euh, a vu le, le, comment... Dans un moment où euh, vous avez deux, deux peuples qui se sont fait la guerre, avec des personnes qui se sont fait la guerre, Yitzhak Rabin a été un homme de guerre. Il était euh, à côté. Euh, il est rentré à Jérusalem en 67 comme un des premiers chefs militaires. C'était un homme de guerre. Et, et Arafat a promu le terrorisme à tout va. Ils se sont serrés la main. Ils ont accepté de se serrer la main. Et après, ils ont accepté de discuter pas à pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu un, un problème dans ce processus de paix. Et je suis d'accord avec Joseph, c'est qu'il aurait fallu d'abord déclarer euh, cette indépendance. D'accord, déclarer euh, un État. Et ça fixe le cadre. Quand vous déclarez, quand vous fixez des zones A, des zones B, des zones C, avec euh, des personnes qui vont peut-être euh, ne plus être élues parce que la démocratie joue, son, joue et bat son plein, ou, ou bien euh, être assassinées, comme ce fut le cas euh, de Rabin, eh bien, vous, vous avez, vous, euh, vous, vous endettez le futur de la paix. Et donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'évidemment, pour résumer, nous avons besoin d'une opinion publique évidente, euh, qui puisse continuer à empêcher aujourd'hui euh, et à permettre le cessez le feu parce que c'est la priorité dans l'urgence à court terme qu'il n'y ait, euh, qu ait plus de morts euh, ni euh, du côté israélien et euh, que gaza euh, puisse euh, survivre parce que et pour en en éviter euh, l'embrasement euh, dans la région évidemment parce que c'est un risque pour netanyahou que d'aller beaucoup plus loin compte tenu de sa situation politico judiciaire il pourrait vouloir aller beaucoup plus loin et euh, aller vers un endroit vous vous rendez compte que ça repose que sur un seul homme pour ça que les relations internationales et les processus de paix ne devraient aujourd'hui et c'est mon ma conclusion euh, s'extirper euh, de la relation personne euh, à personam. Ad personam. Et, euh, et malheureusement le droit international et euh, avec l'ONU nous avons une difficulté c'est qu'on a un Conseil euh, de sécurité de l'ONU avec un droit de veto Personnel, avec un seul pays qui peut mettre un droit de veto à des décisions importantes. Nous devons aller, et pour moi, c'est la seule solution possible, tant pour la situation entre Israël et les Palestiniens et pour leur résolution future, et j'y crois profondément, ça prendra beaucoup de temps, mais j'y crois profondément. Mais pour d'autres conflits futurs, il faut donner, muscler, muscler véritablement l'ONU pour que ça ne soit pas une autre SDN. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup à dire. Je vois que chacun d'entre vous a beaucoup à dire, mais je pense que nous avons aussi des questions dans l'assistance et, et, et leur tourne. Et donc, je voudrais être sûr que on puisse les prendre donc avec votre autorisation. Je cède mon privilège et on va laisser les personnes euh, dans l'assistance nous poser des questions. Est-ce qu'on peut en poser On peut en prendre, je sais pas, deux ou trois d'un coup et, et vous répondrez. Euh, voilà. Il y, en a, il y a une dame. Il y a une dame derrière. Ah, voilà. Oui. Merci. Merci, à tous les trois pour votre exposé. J'ai bien noté l'appel à ne pas répercuter ici exactement dans les mêmes termes le conflit dont vous avez parlé. Et je voulais savoir au fond, est-ce que dans chacun de ces camps, il y a des gens qu'on qu pourrait soutenir ou voir émerger? Et qui serait un chemin vers ce processus, peut-être pas tout de suite, mais, mais demain. Et qui sont-ils J'étais frappé, vous avez évoqué la décision de la haie, de voir que le, le juge ad hoc israélien avait quand même soutenu deux propositions, même s'il s'est désolidarisé du reste, en particulier sur justement l'appel au génocide, le génocide en mots. Il, il s'est associé à ces, aux autres juges. Pour dire qu'il s'y opposait, du, 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 et en, en, en donnant des exemples de ce qui avait pu être dit par tel ou tel membre du gouvernement israélien, et puis sur la question humanitaire, ça n'a rien à voir. Mais j'ai noté aussi que le Hamas avait, dans un statement, indiqué, euh, c'est horrible de dire ça, qu'il y avait peut-être eu un problème le 7 octobre quand même. Euh, Est-ce que, et peut-être que c'est ailleurs au sein de l'OLP ou dans d'autres factions palestiniennes, mais qui sont les gens qu'on peut soutenir, suivre, encourager et qui sont le levain d'un éventuel début de la fin de quelque chose demain. On prend encore deux questions et on essaye de répondre à plusieurs oui. points. Alors, à la je fois. voudrais poser une question à Denis Charbit et interpeller Ariel euh, parce puisque je suis aussi de la Ligue des droits de l'homme. Euh, question à Denis Charbit sur l'idée de revenir aux politiques mais en prenant en compte complètement la question de, de, du, du, dire, de, du problème existentiel tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Euh, donc moi je me pose la question, est-ce que les Arabes israéliens ne seraient pas une clé importante pour faire bouger quelque chose du côté des Israéliens, de, 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 de l'absence totale de confiance qu'ils ont envers, envers un interlocuteur arabe aujourd'hui y compris pour les gens de la paix parce que si le Hamas a mis à l'honneur a, a remis sur la table la question palestinienne il l'a fait de la pire des manières en tuant le cœur des militants israéliens de la paix et, et, et en tuant leur confiance tout simplement donc est-ce que les Arabes israéliens et là il y a une association je, reprends, je rebondis sur la question de Monsieur Davant il y a une association qui c'est pas la seule peut-être mais Standing Together ça se dit en anglais euh, où les Arabes israéliens et les israéliens juifs Travaille ensemble, c'est tout petit, c'est minoritaire, mais quand même. Si ce n'est pas important, ça, 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 peut, ça peut faire quelque chose parce que l'émotionnel de la relation entre Juifs et Arabes, de la confiance entre Juifs et Arabes, c'est aussi du politique. C'est aussi du politique. Alors ça, c'est... Donc, question, est-ce que les Arabes israéliens seraient pas un acteur intéressant à travailler avec Et question à Ariel et interpellation plutôt vers la Ligue des droits de l'homme Je pense que ça serait bien que en, dans la Ligue des de l'homme, on n'invite on, on pas que des associations du type B'Tselem et Breaking the Silence, mais aussi des associations du type Les Guerriers de la paix israélienne-palestinienne, ou Om, Standing Together. Et que peut-être dans les prochaines manifestations, il y ait des drapeaux israéliens et palestiniens en même temps. Mmh. Ça serait bien. Alors, on avait une troisième question, et ensuite je vous laisse répondre, oui. peut-être ma... faire des réponses brèves pour pouvoir prendre une deuxième tournée de questions. Encore oui Ma, Madame. ma question, elle sera très courte. Euh, elle est pour M. Mahout, c'est ça votre Mahout. Euh, vous avez Mahout. dit tout à l'heure qu'il fallait un médiateur. Et euh, vous avez évoqué la difficulté pour l'Europe de l'être et que pensent les États-Unis pourraient l'être. Pourquoi, je n'arrive pas à comprendre moi, pourquoi les États-Unis ont été les seuls à, refuser, à ne pas demander à un cessez-le-feu, alors que vous dites vous-même que euh, Biden veut se désengager et qu'il veut s'occuper de son élection. Donc voilà, c'est une question bête peut-être, mais je n'ai pas compris. Alors peut-être je vous laisse répondre à ce que vous souhaitez, euh, chacun des trois, avec des réponses brèves pour qu'on puisse prendre une deuxième tournée de questions. Euh, J'ai dit pour les, les, les Palestiniens, ça me semble être le binôme euh, Marwan Baragouti et, et Salam Fayad. Euh, faute d'eau. Alors on parle d'Arlan, il y a, a d'autres voix, mais enfin, elles me semblent être les plus les plus crédibles euh, sur la question des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël. Euh, je pense que c'est très important. On n'a pas tellement mis l'accent là-dessus. Euh, on craignait beaucoup en Israël un remèque de 2021, c'est-à-dire un nouveau front intérieur. Or, euh, les Palestiniens d'Israël euh, ont testé ont été réellement troublés, euh, scandalisés par l'ampleur du massacre, et euh, se sont tenus, je dirais, aux côtés de leurs collègues, hein, au bureau, au travail, leurs collègues juifs, israéliens. C'est vrai que ils ont fait preuve de retenue. Ils n'appellent pas à manifester contre la guerre qu'Israël mène. Dans la bande de Gaza, par, par prudence, peut-être un peu aussi par peur, mais je pense effectivement que dans le cadre de ce qui commencera, il faut bien le dire, parce qu'on a dit, il faut commencer par le politique, c'est vrai, mais là, pour le coup, l'économie, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est toujours second, mais pas secondaire. Là, Gaza, c'est d'abord la reconstruction dont l'Arabie Saoudite pourrait être le maître d'œuvre et oui, peut-être aussi, mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que euh, je suis très fier parce que c'est mon fils qui fait son service militaire actuel dans le Nord qui, qui m'a soufflé l'idée et qui m'a dit... On va, mettre, on va créer des hôpitaux, on va mettre des écoles, parce qu'il y a quand même un problème de rééducation à faire, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il y a une éducation à la haine. Nous, on doit de notre côté changer le, 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 le logiciel du mépris envers les Palestiniens qui comptent pour rien. Donc, je veux dire, c'est réciproque. Je ne m'entendrai jamais dire qu'il n'y a que d'un côté qu'il faut faire le boulot et, et, et du côté palestinien. Et mon fils me disait, mais. Peut-être qu'il faudrait confier aux, aux, aux Palestiniens d'Israël la direction des hôpitaux, la direction des écoles. Et il pourrait jouer à ce moment-là ce qu'on a souvent dit, mais un peu comme un mythe, un pont entre euh, euh, la société israélienne qu'ils connaissent de l'intérieur, avec toutes les imperfections, toutes les discriminations sociologiques, hein, euh, et peut-être légales encore, mais euh, entre nous... Euh la question de l'intégration des Arabes israéliens dans la société israélienne, c'est peut-être la plus belle réussite du sionisme après la renaissance de la langue hébraïque et la renaissance de la littérature israélienne. C'est-à-dire, y a, y a, Il se passe des choses dans, 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 dans ces relations entre Juifs et Arabes qui vivent ensemble qui fait que le 7 octobre, ils ont réagi comme ils ont réagi en disant, et tous les chefs de parti, hein, en disant, ça, il y a quelque chose qui n'est pas admissible. Euh, et peut-être une dernière... Est-ce qu'ils ont réagi après euh, pour... Alors oui, ils ont, mais... mais il y a de la retenue, il faut dire ce qui est, il y a de la retenue. Il y a, euh, il, euh, là, pour le coup, l'expression ou le droit à l'expression, etc., ils préfèrent. Un droit n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'aller manifester. Et je pense qu'ils font preuve de cette retenue euh, parce qu'ils comprennent que ce serait totalement déplacé et inopportun. Et ils ne veulent surtout pas exciter les forces de, de l'extrême droite qui sont au gouvernement et qui pourraient en profiter pour dire euh, regardez, la cinquième colonne, elle est bel et bien, alors qu'ils se sont trompés. Et qu'ils nous ont trompés sur cette, cette menace-là. Un dernier petit mot euh, sur le, le. Commencer par le commencement. Écoutez, moi. Euh, par la fin, oui. Euh, Excusez-moi. Euh, moi, je pense que euh, euh, on, si on veut politiser la question, on ne peut pas jouer avec l'utopie d'un État binational. Je veux dire, a deux, a, 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 la solution à deux États est la pire des solutions. Euh, à, à l'exception de toutes, toutes les autres. autres. Oui. Parce que l'État binaire... Et attention, la solution à deux États est compliquée parce que, encore une fois, euh, ça suppose que Israël euh, qui se retire de la Cisjordanie, et là, on, vous aurez un Netanyahou ou ses successeurs pour dire. Mais c'est des 7 octobre en puissance que vous êtes en train de créer en vous retirant des territoires. Donc là, il y, 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 y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, je suis convaincue parce que ça, c'est une dimension. Vous savez, il y a deux choses dont on n'a pas parlé sans jusqu'à présent. Il y en a, y, a, y en a plus que deux. Il y a, le crois. facteur <laughs> religieux. Le facteur religieux aujourd'hui est un facteur extrêmement problématique. Et ils confiscent tant la cause passionnelle que la cause euh, euh, israélienne. Et puis, il y a aussi les otages. Vous avez parlé du droit en disant mmh, mmh. Euh, le droit pour euh, d'aller s'exprimer, etc. Euh, et, et, et cette situation d'otages civils. Je ne parle pas des soldats oui. qui sont pris en otage. Oui. Ça aussi, c'est une violation, mais incroyable de, du droit. Et je pense qu'il faut aussi le, le, le rappeler. Mais, encore une fois, l'État binational... Moi, je ne suis pas contre l'État euh, binational. Je dis simplement, ne brûlons pas les étapes. D'abord que les palestiniens n'ayons pas le toupet de priver les palestiniens d'un état qui ne serait qu'à eux-mêmes parce qu'un état binational et c'est là où il y a un problème un état binational de mon point de vue c'est une solution sioniste puisqu'elle dit qu'il y a deux nations mais c'est pas pour maintenant d'abord chacun chez soi avec des arabes israéliens au sein de l'état d'israël bien sûr dans le cas d'un état palestinien je n'en sais rien mais en tout cas euh, commençons par faire le travail du deuil entre ce qui est Palestine et État palestinien, entre ce qui est Eretz Israël et l'État d'Israël. Joseph, puis oui, très, très, très rapidement, euh, moi je suis d'accord avec vous sur le. Mais ça, c est, c est, c est pas ce n'est pas ce que je veux dire sur le, le fait que l'État binational est une, est une sorte d'utopie. Mais le problème, c'est que on tourne en rond depuis un moment. Trois choses. D'abord, sur les Arabes israéliens, moi je suis tout à fait d'accord, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les derniers temps de Netanyahu qui faisait que les Arabes israéliens n'étaient plus citoyens. C'est-à-dire. Et, et, et Exactement, elle dit. Et le devenait de moins en moins. Donc ça c'est une chose. Donc il faut c'est là aussi où il y a un combat intérieur en Israël à mener sur l'égalité des droits, sur euh, enfin des choses des choses basiques euh, sur les interlocuteurs. Moi je, je ne prends pas la question. Enfin je, je comprends. Moi je, je, je pense que vous avez une bonne solution sur le papier. Routi, euh, Fayad etc. Mais je, il faut dépasser les questions de personnes. Je pense qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, il va y avoir un long processus de, en anglais on dit soul searching, c'est-à-dire de, de, de remise en question très profonde. Et je pense qu'il va y avoir des élites qui vont émerger des élites sociétales, des élites politiques, des élites intellectuelles, culturelles, des élites, de, 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 des, des autorités morales qui vont émerger. Quand on parle de 67, on oublie que 67 a aussi été un tremblement de terre intellectuel dans le monde arabe. Après lequel on a vu émerger toute une nouvelle génération dans, dans, dans toute la région. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut parier. Ça va prendre du temps parce que la psyché est là où vous la décrivez, c'est-à-dire aujourd'hui se retirer de la Cisjordanie, s'est créer 15-7 octobre dans la tête des Israéliens, etc. Mais il va falloir que des, des, des nouvelles figures aient le courage de dire des choses qui gênent. D'abord leurs propres constituencies, si on peut dire, et c'est là où ça va commencer à émerger. C'est pour ça aussi qu'il est urgent de commencer ce processus en débranchant, j'utilise ce terme, euh, Netanyahu et, et la petite clique, parce que je suis d'accord avec vous, avec vous, même guns uh, Eisenkod, etc. Si la guerre dure, ils vont être aussi pollués par une opération qui n'a pas, qui, qui ne trouve plus son sens aujourd'hui. Alors pour la question américaine, je crois que bon, enfin c'est pas très compliqué à dire, mais D'abord, il y a une chose. Les États-Unis, euh, depuis 40, euh, depuis disons, 56, ont voulu s'approprier le monopole de cette question israélo-palestinienne. Donc, d'abord, ils sont devenus un tout petit peu les, les, les agents exclusifs du processus de paix, avec l'acceptation de pratiquement toutes les parties. Euh, ce que je disais, c'est qu'après euh, la, la, la guerre froide, après la guerre d'Irak en 1991, donc le processus de Madrid. C'est l'ordre unilatéral, l'ordre unipolaire international. Donc, ils imposent le premier processus de paix qui produit des résultats concrets, à part Camp David en 78, qui était en fait une paix bilatérale et qui a, elle aussi, mis de côté la question palestinienne. Et ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas qui le disait, mais plus on s'éloigne du, du, du chaudron israélo-palestinien, plus en fait les, les, les paix sont faciles à faire mais c'est à bon prix je veux dire, si les saoudiens font la paix avec israël ou les émirats je ne vois pas ce qu'ils ont résolu ils n'ont ni territoire occupé ni population euh, euh, spoliée enfin il n'y a rien donc en fait c'est un contrat de business quelque part donc euh, ensuite c'est après qu'on a ce passage justement qui est long mais qui est très bien expliqué dans les livres sur le processus de paix des acteurs eux-mêmes, les livres de, de Rob Malley, les livres d'autres, où les États-Unis arrêtent d'être ce qu'on appelle un honest broker, c'est-à-dire ce ils ne sont plus courtiers honnêtes, ils deviennent jugés et partis en même temps. Bon, c'est l'état des choses. Donc moi aussi, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres, mais bon, le monde est ce qu'il est. Euh, si on fait le tour de la planète, il n'y en a pas beaucoup pour jouer, euh, pour, pour, euh, pour se coltiner, pour se coltiner ce dossier. Alors. Évidemment, avec Anne-Lorraine et dans ce numéro, on a essayé de dire il faut que l'Europe joue son rôle. L'Europe, jusqu'à maintenant, pour résumer, je vais être très schématique, mais elle a joué le rôle de payeur et non pas le rôle d'acteur. D'ailleurs, en anglais, c'est un mauvais jeu de mots, c'est Europe is a payer and not a player. Et en fait, il faudrait que l'Europe devienne un, un player. Or, c'est l'Europe qui a, comme vous l'avez dit, et je l'ai mentionné, financer une autorité palestinienne, un, un, un embryon d'État palestinien pendant 15-20 ans depuis Oslo. Aujourd'hui, je crois qu'il est de votre devoir et de votre responsabilité de faire, en tant que, que, que contribuable européen, moi aussi par ailleurs, de faire ce bilan, de poser des questions. Où a été cet argent -ce que, Des milliards, des centaines de milliards ont été, en fait, dans l'anesthésie d'un non-processus de paix. Il reste la partie arabe, et ça aussi je l'esquisse dans le papier d'esprit, mais la partie arabe, d'abord, elle, elle était ailleurs avant le 7 octobre, elle était partie pour des rêves de normalisation, elle regardait d'un autre côté, et les États concernés, à savoir l'Égypte, la Jordanie, la Syrie qui n'existe plus, le Liban qui est un punching ball aujourd'hui indirect, sont soit impuissants, soit quelque part eux-mêmes partie prenante, puisque le Liban est, captué, captivé par, enfin, est, 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 est capturé par le Hezbollah qui, lui, émarge à l'Iran, le régime syrien est tenu à bout de bras par l'Iran, l'Égypte est tétanisée par la perspective d'un million et demi de gazaouis. Qui rentrent dans le Sinaï et c'est tout ce qui l'intéresse. En plus, ils ont fait Camp David, donc ils ont déjà versé leur écho à cette histoire. Et la Jordanie aussi, donc il, reste, il ne reste pas personne, donc il ne reste pas grand monde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, ça ne me plaît pas, moi, que les États-Unis soient l'acteur ultime de cette question. Et aujourd'hui, ce qui me désole aussi, c'est qu'ils sont. D'abord en train de se retirer de la région, et deux, ils ont perdu, à mon avis, leur levier dans une large mesure à pouvoir réunir les deux. On aurait espéré, moi je pense personnellement, c'est la dernière chose que je dis, mais je pense personnellement, avec toute la critique que je peux avoir pour les États-Unis, que cette administration Biden avait commencé à bien agir sur cette question, d'après le 7 octobre, en faisant deux choses en embrassant Israël au niveau affectif, c'est ce que vous déploriez que l'Europe ne fasse plus, en l'embrassant affectivement, en allant jusqu'au bout de la compassion, pour pouvoir ensuite lui dire, attention, ne faites pas de bêtises arrêter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est que le temps qui passe crée aussi des effets. Et aujourd'hui, on a du mal à voir quels sont les leviers américains sur Netanyahu et Israël pour arrêter. Bien sûr, ils ont des leviers sur d'autres acteurs, mais qui ne sont pas les acteurs du camp palestinien. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve face à un acteur encore en position de monopole, mais qui est démuni par rapport à... Je peux vous dire, et Denis doit probablement vous donner 15 exemples. Il y a une humiliation quotidienne de Netanyahu à l'égard de l'administration Biden, une, une humiliation dans les fêtes, dans les fêtes sur le terrain, dans le verbe, etc. Alors qu'il n'en a plus rien à faire, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va assurer sa survie politique, elle, elle s'assure ailleurs, et un acteur américain qui aujourd'hui se confronte à la perspective, je suis désolé de vous le dire, mais vous le savez, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, deux mots. Euh, D'abord, répondre à l'interpellation, euh, mais juste avant de répondre à, à l'interpellation euh, s'agissant de la Ligue des droits de l'homme, euh, parler des, des Arabes israéliens. Oui, c'est ce un acteur majeur, et, et, et pas uniquement euh, en manifestant ou en ne manifestant pas, mais également en votant ou en ne votant pas. Et quand on pense que le processus de paix a pu s'arrêter parce que... Notamment parce que les Arabes israéliens ont, accès, ont, ont refusé de voter pour euh, Pérez dans l'élection euh, contre Netanyahou, parce qu'ils venaient d'accepter qu'il y ait euh, un, une action militaire euh, grave et qu'ils ont été choqués par cette action militaire. Je crois que c'était au Liban d'ailleurs, sauf erreur de ma part. C'était Cana. Euh, dire que euh, les Arabes israéliens, c'est 20% de la population israélienne. Et donc c'est une force euh, de vote majeure. Euh, qu'il y avait des, des députés arabes israéliens et que la façon dont ils ont été traités euh, à la Knesset a été dramatique aussi, il faut le dire également. Et, et donc, euh, les protéger, euh, nonobstant euh, la loi fondamentale qui a été passée par euh, Netanyahou, euh, une loi, elle est faite aussi de la façon dont on l'interprète et dont les acteurs euh, l'appliquent le, ou pas. Et je pense que c'est fondamental de, de voir la loi comme quelque chose qui n'est pas, euh, qui, qui, qui n'est pas un mur, euh, qui n'est pas du béton, mais qui euh, dépend de, de la façon dont la Cour suprême et la Cour suprême est redevenue définitivement un acteur majeur dans les institutions et dans les contre-pouvoirs de la société israélienne. Bravo à la société israélienne de s'être levée pour éviter euh, que euh, Israël ne soit plus une démocratie. Et elle est restée dans les institutions. Et, 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 et vous voyez, il y a autre chose. Vous parliez tout à l'heure et vous m'interpelliez tout à l'heure s'agissant de l'action de la Ligue des droits de l'homme, de, de qui elle invite. On a anticipé la chose. Justement, pour un meeting qui est en préparation, on avait invité les guerrières de la paix, et notamment Anna Assouline qui avait accepté de venir. Il est en cours. C'est difficile d'organiser de ce type de meeting. Je parle des guerriers de la paix parce qu'effectivement, c'est une association dont j'estime profondément l'action. Pourquoi Parce que je pense que fondamentalement, quand on parle de confiance, elle ne peut que s'instaurer dans le contact et dans la reconnaissance de l'autre. Dans le fait qu'en face, il n'y a pas une altérité radicale. C'est le cas et cette altérité est de plus en plus radicale entre les populations. Les guerriers de la paix ont fait ce travail entre des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes qui se parlent et qui travaillent politiquement ensemble. Et peu de temps avant le 7 octobre, elles sont allées à l'endroit des massacres, euh, au, au Kibbutz euh, Beiri, Niroz. Euh, et, et juste pour dire que cet endroit, il n'a pas été visé euh, euh, sans aucune raison. Cet endroit, il a été visé par le Hamas parce que euh, c'est l'endroit où il y avait des faiseurs de paix. Et euh, le Hamas a visé Justement, la population de ces faiseurs de paix pour en terminer avec la possibilité qu'il y ait une paix. Ils ne veulent pas de la paix, comme à mon sens, Netanyahu ne veut pas de la paix. Euh, donc, vous dire que, évidemment, ce sont ces, ces processus qui sont importants. En France, les guerres de la paix sont conspuées par une partie euh, de, euh, de, de, de la société civile. Euh, qui, euh, qui dénonce évidemment ce qui se passe actuellement à Gaza et qui est pour euh, la cause palestinienne. Je pense que c'est une grave erreur que de conspuer ces initiatives au motif qu'elles seraient dépolitisantes, trop douces, trop bienveillantes, etc. Ça ne peut passer que par là. La dénonciation, c'est une chose, à un moment précis, au moment où il y a des bombardements sur Gaza et plus de 25 000 morts, bien plus encore. Mais il faut également ces, ces, ces petites initiatives c'est dans le local. Qu'on y arrivera avec ces personnes qui feront peut-être le leader de demain et peut-être la paix de demain <laughs> et le drapeau évidemment. Merci beaucoup. Alors je me tourne vers Fanny pour savoir est-ce qu'on peut encore prendre non, oui, non. Est-ce est -ce que c'est un oui Je ne vous vois pas, Fanny. Oui. Alors <laughs> et, et nos intervenants aussi. Vous êtes prêts pour une, une dernière petite vague de questions Oui, c'est un peu une question générale par rapport à ce qui vient d'être dit sur les, les, les rapports avec la population arabe israélienne. Alors, je vais faire une espèce d'analogie dans, dans ma question. C'est euh, Si je me souviens de la situation qu'il y avait en Algérie, en France, euh, en 1944, il y a eu ce qu'on a appelé le massacre de Sétif, qui a déclenché complètement le nationalisme algérien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les élites algériennes qui étaient françaises puisque c'était la France, l'Algérie, se sont posé la question, mais finalement, euh, nous sommes des citoyens de seconde zone. Nous avons un collège séparé des autres députés français, nous ne sommes pas dans la même république, visiblement. Euh, et donc, à un moment donné, ce massacre de 1944 a réveillé les consciences. Et à partir de ce moment-là, ce nationalisme-là, effectivement, est devenu extrêmement radical, extrêmement dur, au point que tout Algérien qui collaborait politiquement avec la France, était bah, ennemi, forcément, euh, de ce qui sera après le FLN. Euh, alors, la situation en Israël peut-être pose cette question-là, c'est que nous sommes quand même dans une situation de colonisation d'un pays, d'un territoire, dans lequel le droit international a, a fabriqué un État qui s'appelle Israël, mais n'a pas simultanément fabriqué un État qui s'appellerait la Palestine. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est retrouvé, si. on retrouvé <laughs> dans, une, dans un territoire où il y a un occupant. Et après, on ne peut pas rêver qu'il y ait une solution politique calme, à moins que l'État tel qu'il s'est construit, c'est-à-dire l'État d'Israël tel qu'il s'est construit à l'origine, ne se remette pas fondamentalement en cause. Alors, je reviens sur l'Algérie. Pour sortir de cette espèce de, de nœud gordien qui existait entre la France et cette Algérie, euh, c'était pas les partis locaux, enfin, c'était pas les deux clans, j'allais dire, euh, les Français colons, l'OAS, pour aller vite qui devenait de plus en plus extrémiste comme ce qui se passe en ce moment en Israël et que le peuple deviendra de plus en plus extrémiste, il pourra même être type OAS à un moment donné sans doute, je ne sais pas et de l'autre côté un Hamas extrémiste qui deviendra de plus en plus extrémiste. Ça, ça il... devrait être imposé de l'extérieur c'est ce que... Alors je... la France s'en est tirée Monsieur très bien je... parce qu'il y a eu moi, un général je... de Gaulle <laughs> voilà c'est tout et qui a trahi les deux camps <laughs> voilà. euh, est-ce qu'il y, a... une... oui, est qu y a un de Gaulle Potentiel en Israël. Il y a une dame juste à côté de vous qui avait une question aussi. Mais peut-être, euh, vous pouvez déjà peut-être répondre à cette question, c'est comme vous voulez. Non, non, j'aimerais okay. bien qu'on prenne toutes les questions parce qu'on est quand même obligé de. Donc voilà, avant la le... question, j'aimerais bien préciser deux, trois petites choses. Peut-être, il ne faut pas oublier qu'au moment du processus d'Oslo, et donc euh, au moment où il y avait la poignée de main entre Isaac Rabin et Yasser Arafat, au même moment, il y avait des colonisations. Les colonies ont, se sont développées, et d'ailleurs même sous Shimon Peres. Donc c'est quand même incroyable quand même qu'on quand a, enfin, qu a imaginé un processus de paix. D'un côté, donc on imaginait un processus de paix, mais en même moment, il y avait un développement des colonies. Donc c'est quand même une question, ça. Autre chose. Avant l'attaque du 7 octobre du Hamas, combien de soldats et soldats israéliens à la frontière, depuis plusieurs mois, disaient que quelque chose se passait à Gaza A informé le gouvernement israélien qui a fermé les yeux Oui, oui, oui. Arrête, on peut être, en a parlé. Je voudrais être sûr que nos intervenants aient le temps de répondre. Est-ce qu'on peut arriver à la question, Donc cette question-là. Et l'autre question que vous avez, c'est sur... Oublier, c'est la question économique. Par exemple, on sait très bien qu'il y a eu une découverte du gaz au large de Gaza, comme il y a une découverte de puits de gaz aussi au large du Liban. Donc on, on peut bien imaginer, il y a la question de l'eau aussi. On est dans un réchauffement climatique et Israël sait très bien qu'elle a besoin d'eau. Donc derrière ces guerres, ce sont aussi des guerres économiques. Et ne les oubliez pas. Alors, je, je, on, on s'arrête là. Peut-être je vous laisse un, un mot de conclusion à chacun. Je ne sais pas sur quoi vous voulez terminer, non Vous avez l'impression d'avoir conclu. <laughs> Denis Charby Oui, sur la question coloniale, effectivement. On ne va pas refaire l'histoire. Il faut bien comprendre, mais. Euh a posteriori, c'est facile de tirer la leçon de l'échec d'Oslo. Oslo, Oslo c'était quoi C'était d'abord, ça s'appelle pas les accords d'Oslo, ça s'appelle une déclaration de principe. On se met d'accord sur l'existence d'une autonomie qui durait cinq ans, et au terme des cinq ans, quand on aura montré réciproquement qu'on est de bons voisins, on va conclure un accord définitif sur toutes les questions. Donc, il n'y avait aucune raison, mais a posteriori, on peut se dire qu'on s'est trompé. Il n'y avait aucune raison de geler les implantations à ce moment-là. On attendait la conclusion finale. On aurait dit on démantèle les implantations comme on l'a fait d'ailleurs à Gaza. On n'a pas, pas plus gelé les implantations dans la bande de Gaza. Et en 2008, quand Sharon a décidé de les démanteler, il les a démantelées toutes. Bon. Euh, bien entendu qu'il y avait ici erreur, mais encore une fois, a posteriori, c'est clair. Sur la question. Donc, euh, bien entendu que le. le, le L'ambiguïté, c'est quoi il faut, il faut le dire, et ce sera vraiment ma phrase de conclusion. L'ambiguïté, c'est quoi Et c'est pour ça que le, 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 la solution à des États est, 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 est la meilleure des deux solutions, vue du côté israélien. Vu du côté palestinien, ça peut être effectivement l'État binational. Le problème de l'État binational, ou de toute, ou, ou l'ambiguïté palestinienne, leur, leur, leur rubicon à franchir, c'est... On veut toute la Palestine ou on veut seulement la Cisjordanie et, et, et la bande de Gaza Et je suis bien d'accord et je suis le premier à le reconnaître. C'est exactement ce que les Britanniques ont dit aux, 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 aux Irlandais, à ceci près que les Britanniques ont dit on garde 25% et vous en avez 75%. Et là c'est tout le contraire. C'est contentez-vous de 22% et, et pour Israël c'est 78%. Je suis bien conscient. De la difficulté pour un Palestinien à dire, alors au final, on aura fait un conflit pendant un siècle, tout ça pour avoir 22% de la Palestine, etc. C'est pour ça que je ne suis pas opposé à l'ouverture ensuite de mécanismes confédéraux, etc. Mais pour ça, il faut que ça marche. Parce que le, euh, et le 7 octobre, désolé d'y revenir une dernière fois, c'est ça qu'il a révélé. Et, et les manifestations aux États-Unis, euh, Free Palestine, from the River to the j'imagine que le slogan a dû être aussi euh, dit euh, ici en France, peut-être. Je ne suis, suis pas au courant, mais euh, s'il a été prononcé, oui, Israël. C'est-à-dire c'est encore, c'est pas simplement la colonisation. C'est toute la Palestine qui est une colonie. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire moi Qu'est-ce que je dois faire avec mon fils qui est ici On doit partir en France sous prétexte que j'ai aussi la nationalité française Et qu'est-ce qu'ils font les juifs du Maroc et les juifs d'Irak qui retournent et les juifs du Yémen qui retournent au Yémen Enfin, je veux dire cette l'avantage si j'ose dire de, 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 dans ce conflit c'est qu'il oblige à reposer toutes les questions, bien sûr celle de la colonisation mais aussi celle du droit des juifs qui ont fait 2000 ans le pari de la diaspora et ont le droit depuis 75 ans d'estimer qu'ils peuvent aussi euh, être comme on disait euh, euh, un peuple sans terre qui dispose d'une terre et cette la terre, terre c'est à... comment la terre, alors... mais elle appartient <laughs> à qui la terre elle <laughs> appartient à personne alors un, un petit pourquoi? Mot, vous pourquoi Et au vous, nom de bon? quoi Au nom <laughs> du fait qu'il y avait 500 000 Palestiniens euh, autochtones au, au, en 1920 Alors, je crois... Que... Pardon. Pourquoi <laughs> Merci beaucoup, Denis Charbet. Alors, je pense que la conclusion, elle est proche de celle, en fait, de, de Joseph Bahout dans cet article, où il y, a bien, il y a bien deux peuples qui ont le droit, chacun, à avoir un État. S'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est bien celle-ci. Une autre chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, je crois, c'est de vous remercier chaleureusement pour vos interventions à tous les trois. <laughs> Et une troisième. J'en Je, dis, dis une troisième. Je crois que chacun, à votre manière, vous avez beaucoup dit aussi qu'il ne faut pas euh, reconduire des débats dans les termes qui étaient les nôtres il y a trois mois, il y a six mois, il y a deux ans, mais bien prendre conscience que la situation est nouvelle, euh, qu'il y, y a un avenir devant nous et donc on peut prendre rendez-vous aussi pour faire progresser ce débat avec le temps qui passe euh, et poser des nouvelles questions euh, au fur et à mesure de l'évolution euh, du conflit. Vous pouvez compter en tout cas euh, sur la revue Esprit pour maintenir la discussion euh, vivante. Un grand merci à vous tous euh, pour vos questions ce soir. À tous. Merci Anne-Lorraine pour avoir brillamment mené cette table ronde. On se retrouve le 19 février avec la revue Esprit pour une prochaine. Et un grand merci aussi à notre équipe en régie de la BPI qui a assuré brillamment cette soirée. Merci à tous.